Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barotronic, live numéro 38. Alors déjà, il y a déjà beaucoup de monde sur le chat. Alors je refais le live, il y a Kamikaze, bonsoir Kamikaze, bonsoir Deforult, Monsieur Hippo qui est là, bonsoir Monsieur Hippo, on va reparler de toi. Salut Roger Chine, salut Wartix. L'audimat va exploser. Je ne sais pas si l'audimat va exploser, on verra bien. Comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est un live un petit peu particulier. Donc, on va recevoir un invité qui s'appelle Cabriolin. On va revenir là-dessus dans pas très longtemps. Mais comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, 38 épisodes. On va faire une petite partie récap de la semaine. C'est parti! Alors, récap de la semaine, déjà, vous voyez, vous avez un grand logo Coupe de France de robotique, bah oui, parce qu'en fait, normalement, la CDR 2020, Coupe de France de robotique 2020, elle aurait dû avoir lieu cette semaine. Vous savez, ça a été reporté une fois, puis deux fois, puis on est encore un peu dans l'incertitude. Bref, on souhaitait marquer le coup, et avec un petit truc un petit peu particulier, et puis finalement, la date s'est imposée d'elle-même, avec ce live... Un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, ça tombe cette semaine, du coup, c'est plutôt chouette. Salut Mortality 16. Je vais pas en dire plus, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements sur les réseaux autour de ça. On avait lancé le hashtag souvenir CDR. Il y a eu quelques petites équipes qui ont donné des petits trucs. C'était cool de revoir des photos, des vidéos, même d'il y a quelques dizaines d'années des fois, hein, ça ne rajeunit pas. Mais du coup, c'était très chouette. On espère en savoir plus bientôt. De toute façon, dès qu'on a des nouvelles sur la date ou sur une finalisation de date, etc., vous en saurez. Averti dans ce live, voilà. Alors, comme d'habitude, le petit calendrier de live. Alors, qu'est-ce qu'on a comme calendrier pour les lives de la semaine prochaine? On a eu beaucoup de lives cette semaine, notamment avec CVRA qui a fait un live câblage du robot et qui a duré 10 heures, je crois. C'était quand? C'était jeudi. Donc jeudi, c'était un gros gros live, donc ça c'était vraiment très très chouette. Donc normalement, on repart sur un truc un peu standard, sauf que... Alors, que je regarde. Donc il y a le live de King of Chouf sur le simulateur lundi, Evolutech avec Kamikaze qui live mercredi et vendredi, et il y a un autre live qui était programmé de CVRA, un autre live câblage, parce que oui, c'est très très long à câbler un robot, c'est pas moi qui dira le contraire, et puis comme d'habitude, un live dimanche pour ma part, avec un sujet qui est pour le moment complètement inconnu. Par contre, on va revenir sur un truc, c'est très vite fait, j'ai fait un live qui n'était pas prévu, en l'occurrence c'était un live il y a 2 jours, sur ma découpe laser. En fait j'ai reçu ma découpe laser, je vous en avais parlé dans un précédent live, une laser 40 watts, une K40. J'ai pas encore mis la vidéo en ligne, vous pouvez la revoir sur Twitch si vous le voulez. Pour ceux qui y étaient, c'était super cool. D'ailleurs merci à Yonier, merci à Monsieur Hippo d'avoir été là aussi pour m'accompagner, parce que eux ils en ont déjà, et donc du coup ils ont pu m'accompagner techniquement. Et puis du coup voilà, il y a eu quelques petits soucis. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, je vous montre le premier souci. Vous pouvez voir ça, c'est des gens qui ont clippé. Alors je sais pas si on va entendre le son desktop, on va voir. Je sais pas ce Voilà. qui il enregistre, Alors en ce fait qu'il ça c'est la ressent. première fois où je lance le laser. Alors attention, je vais le mettre à peu près ici. Je Voilà, t'avoue, vous allez entendre un gros je parle schlack. beaucoup pour voir Un télé, hein, sur super ces live. contrôleurs que je Salut maîtrise Bobico. pas. Attention, Ok. voilà. Donc là, il y a eu un gros Ça gros marche pas mal, ça, schlack. non? Et on s'est posé plein de questions avec Monsieur Hippo de savoir ce que c'était. Finalement, on a fait quelque chose, c'est qu'on a mis la caméra derrière, puis on a regardé ce qui se passait quand il y avait ce gros clac. Et vous voyez, voilà, il y a eu un flash qui... Alors, je vais essayer de retrouver le moment. Voilà, un flash qui se fait à peu près à ce niveau-là du tube. Et en regardant au plus près,
je me suis rendu compte que mon tube était cassé. Voilà. Du coup, c'est pas grave, ça arrive. Heureusement, j'avais pris plein de photos du tube, donc en fait, j'ai retrouvé des photos où le tube était cassé déjà au déballage, sauf que j'avais pas vu cette fissure à cet endroit-là. Le vendeur a été super sympa. Je lui ai renvoyé les photos. Il m'a dit que il n'y avait pas de souci, qu'il enverrait un truc et qu'il allait s'arranger pour me remplacer le tube et me renvoyer le tube. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc tout le monde était un peu triste, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Donc dès que je reçois le tube, bah, je remonte. Peut-être que je referai un live. Peut-être que ça sera le live de la semaine prochaine. J'en sais rien. En tout cas, tas de causes. Ça continue. Ça suit son cours. Ça suit son cours. Alors, il y a déjà des réactions. Kamika, j'ai fait la moitié de mes lives dessus. Ah oui, sur le câblage. Ouais, ben non, mais clairement, clairement, le câblage, ça dure trop longtemps. Triste pour toi. Ouais, bah, écoute, ça arrive. Tu sais, en jeu, il y a pas de problème. Franchement, j'étais pas. Voilà, je suis assez content de la bécane déjà en elle-même parce qu'elle était quand même relativement bien câblée. Il n'y avait pas trop de soucis. Mais c'est vrai que le tube, je m'y attendais un petit peu. Voilà, vu la manière dont il avait été tringballé, voilà, j'avais quand même quelques doutes. Pour avoir eu le même bruit la veille. Ah oui, Monsieur Hippo avait cramé son tube aussi. Et j'ai trouvé une solution avec le vendeur, donc c'est nickel. Salut Fred J21. Salut King of Chouf. Alors du coup, bah voilà, c'était tout pour le récap. En fait, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le récap. J'aurais dû vous dire plein de choses. En fait, j'aurais dû être en train de revenir de la coupe là, à ce moment-là et j'aurais dû faire un live pour vous expliquer plein de trucs. Peut-être que j'aurais livé pendant la et streamé pendant la coupe. Eh ben, ce sera pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. Écoutez, c'est pas grave. Néanmoins, on a un live ce soir, on a un invité que je vais présenter. Je vous laisse, comme d'habitude, avec l'adresse sur le du Discord, si vous souhaitez accéder bah, au Discord de la chaîne et puis discuter avec d'autres personnes. Donc, voilà, ça c'est super cool. Changement du tube, du coup. Oui, changement du tube uniquement. A priori, oui. Donc, ce serait quand même chouette quoi. Vous avez le Discord, vous avez le lien vers les copains en bas, le lien vers tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre tous les autres lives de la chaîne, le lien vers les tips, le lien vers YouTube, etc. Donc je vous laisse avec tout ça et puis on va démarrer, bah écoutez, le live avec, avec notre invité Cabriolin. Donc bah, sans plus attendre, attention. Alors, je vous le dis avant, on a eu quelques petits soucis techniques, on avait testé, ça marchait très bien, et c'est aussi pour ça que je me retrouve avec ma webcam et pas avec mon réflexe, parce que bah, pour une raison inconnue, le réflexe, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Du coup, eh ben, écoutez, on va faire avec les moyens du bord, et on va dire bonjour à, hop, Cabriolin, salut Cabriolin, tu es en live. Salut Barba, salut tout le monde. Alors, bah écoute, merci d'être là pour ce live, pour cette présentation. Donc, bah, je vais te laisser te présenter et puis dire voilà qui tu es, de quelle équipe, à quelle équipe tu appartiens, etc. Et puis l'idée du live, ça va être que tu nous présentes techniquement ce qu'il y avait dans tes robots, particulièrement la partie électronique des robots et une partie plus informatique et simulation si on a le temps. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire. Voilà, je te laisse à ta présentation et te dire nous dire qui tu es. Ouais, c'est gentil. Bah, Cabriolin, donc, ou plutôt Nicolas, donc, je suis un ancien membre et toujours président donc, de l'équipe Robotique Système. Donc, c'est une équipe qui a participé à la Coupe de France de robotique entre 2012 et jusqu'à 2015. Donc, avant ça, je participais avec d'autres équipes, on en parlera un peu après. Les Néobots, et puis avant avec Val Robotique, donc l'école de l'ANSIAM. Et voilà, donc en fait, ça fait depuis 2015 qu'on a arrêté de participer. Et puis, ça faisait quelques années que ça me trottait dans la tête, alors pas forcément de revenir participer activement à la coupe, mais au moins de pouvoir partager ce qu'on avait fait, faire un retour dessus, et puis ça pouvait aider bah, d'autres équipes éviter de se planter ou leur donner les petits trucs qu'on a appris, les petites bases, les petits tips, ben voilà. Donc on a mis un peu de temps, on s'est lancé, là je t'ai contacté il y a quelques semaines maintenant,
Et puis pour pouvoir comment on pouvait mettre ça en place. Et puis bah voilà, on y est. C'est vrai que du coup, ça a servi à ça le confinement aussi. C'est que tu as eu plus de temps pour y réfléchir, à te lancer dedans. Et quand tu m'as présenté le truc, tu m'as dit j'ai une super idée. À mon avis, ça va t'intéresser. Et puis tu vois, directement, on s'est dit bah voilà, il faut qu'on fasse un ou plusieurs lives et que tu présentes mon truc. Tu m'as même dit mais t'es sûr que ça va intéresser les gens? Je fais oui, ça va intéresser les gens. Ouais. Voilà, après, ça date de quelques années aussi, ce qu'on va présenter, c'est plus forcément au top de la mode, mais voilà, je pense qu'il y a moyen encore d'en tirer des choses pas mal, des enseignements, et puis ça fonctionne encore, là, depuis, j'ai profité un peu du confinement bah, pour ressortir les robots, il y a une vidéo qui a été sortie, là, en partenariat avec le CVRA, il y a quoi, une semaine ou deux. Que j'avais Voilà, présenté donc. sur la chaîne également une très bonne vidéo pour ça, pour montrer leur technique. Donc, ouais, il y a eu des choses de créer. Ah, mais les robots sont dans leur jus. Là, le robot qui a servi pour la vidéo, c'est le petit robot de 2015. Ce que j'ai fait, c'est remettre une batterie dedans. Alors, le code a été réécrit. On en reviendra un peu après. Mais sinon, le reste est dans le jus. Tout fonctionne encore en état. Voilà, il y a des restes. Il y a des restes côté code. Il y a beaucoup de restes côté élec. Et voilà, donc, pour l'instant, on est là-dessus. Et puis demain, alors pour celle de la Coupe 2020, hashtag 2020, 2020 ou pas, on ne sait pas. 21, Pas trop. Si ça se prolonge en 2021, on n'est pas à l'abri d'un petit comeback de l'équipe. et ça serait vraiment chouette. Ça, pour le coup, et je le redis, reprendre un robot de 2015, remettre une batterie dedans, le redémarrer et pouvoir refaire tout ce que tu as fait là, ça montre aussi que ce que vous avez créé, c'est un système qui est quand même fiable, parce que finalement, ce robot, on le remettrait sur une table de match, il se ferait de nouveau homologuer, il pourrait jouer un match directement sans problème. Donc c'est en ça que la présentation de ce soir, elle me semble intéressante, de montrer aux gens, voilà, que c'est la structure que vous avez faite, elle est fiable et on peut librement s'en inspirer parce que c'est hyper, c'est chouette et c'est fonctionnel, quoi. Bah du coup, ce que je te propose, c'est que tu as préparé une présentation. On se Ouais. lance sur la présentation, du coup? Allez, c'est Allez, parti. go. Alors, je change d'écran. Voilà. Et bah, c'est parti. Quand tu veux. Voilà, donc Alors, je te coupe directement, excuse-moi, juste pour dire aux gens. Alors, si vous avez des questions, alors il y a le chat. Moi, je suis le chat et je vais copier les questions au fur et à mesure pour après réinterroger au bon moment. Cabriolin a aussi le chat de son côté. Donc voilà, si jamais tu vois une question, sens-toi libre d'y répondre directement. Hein, n'attends pas que je fasse le top, il n'y a aucun problème. Et il y a de toute façon dans la présentation des parties où vous pourrez poser vos questions. Entre chaque sous-partie, grosso modo, c'est ça, hein. ouais, Donc c'est ça. voilà, donc n'hésitez surtout pas. Vas-y. Ok, donc c'est parti. Donc voilà, je propose, enfin j'ai profité un peu de temps de confinement bah, pour présenter et mettre un peu au propre. Donc un peu voilà, on va commencer avec une petite slide un peu qui nous met dans le contexte de l'équipe. Donc on était une équipe familiale. En fait, à la base, je fais partie donc de plusieurs équipes. J'étais en école à l'ENSIAM, à Valenciennes. Et voilà. Donc il y avait l'équipe de Val Robotique, laquelle j'ai commencé. J'ai fait 3 ans là-bas. Alors j'ai pas fait 3 ans à l'école, hein, c'est un peu, on va pas parler forcément toute ma vie, mais voilà, j'ai fait 3 ans de 3 ans de partie de l'équipe. Et voilà, quand on est sorti avec d'autres copains, on a créé une autre équipe qui s'appelle les Néobots. On a fait aussi quelques années. Et puis bon, il y a eu des petites tensions, enfin pas forcément du tension, mais on a voulu partir sur un truc différent et en famille, ben voilà, j'ai recruté mes parents et le frangin et on a monté une équipe en parallèle qui s'appelait Robotic System. Et le but, ben, c'était de se faire plaisir, de faire des robots en bricolés dans notre coin et puis d'aller le plus loin possible. Donc on a participé à la Coupe de France 4 années. 4 années aussi en Coupe de Suisse, non, 4 années en Coupe de Belgique. On a fait une année à la Coupe de Suisse et 3 fois ou 4 fois en Coupe d'Île-de-France.
avec des classements. Donc en 2013, donc sur l'anniversaire, on a fait une 9e place, donc on a été éliminé au premier tour des phases finales par l'Université d'Angers, donc qui a fini champion de France sûr et peut-être champion d'Europe, je ne sais plus. En 2014, on a fait vice-champion de France face à RCVA et vice-champion d'Île-de-France. 2015, en Coupe de France, on a eu des problèmes techniques. Par contre, voilà, on a fait vice-champion de Belgique, de Suisse et en Île-de-France aussi. Alors, j'en profite. Là, il y avait des choses qui devaient s'afficher. Ouais, Et je me. j'avais un doute, j'ai payé l'écran noir et j'avais un doute. Ouais, voilà. Du coup, voilà. Donc, je pense qu'il y a un petit. Vas-y, je sais pas si tu peux remettre la presse. C'est les joies du direct. Aïe. Ah, le test a fonctionné nickel, hein, et puis voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on teste régulièrement depuis cette semaine, et à chaque fois, on a eu des trucs un peu bizarres qui se sont passés. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si c'est lié au fait que j'ai mis en plein écran ou pas. Je sais pas, écoute, réessaye, et puis on va voir. Voilà. Ouais, ah bah là, c'est bon, là, ça marche. Ça Nickel. Et marche? là, si tu passes les slides. Et là, Non. c'est bon, ça marche. Ok, super. Ouf! On est sauvé. Quelques photos, voilà, donc des coupes 2014-2015, donc les coupes à la Coupe de France, la Coupe de Suisse au final, et les équipes françaises qui étaient présentes à Eurobot. Donc Eurobot avait lieu en Suisse à Yverdon. Voilà. Et ensuite, voilà, donc un peu le pourquoi, l'idée générale de ce document. C'était de présenter l'architecture à la base, l'architecture électronique qu'on avait utilisée pour les coupes, donc qui avait été créée en 2014 après moult itérations et qu'on a réutilisée en 2015 et que si jamais l'année prochaine on devait participer, on touchera à rien et on fera avec la même électronique. Voilà. Donc ce qui était vraiment ce qu'on avait voulu faire, c'était de créer quelque chose de modulaire. Qu'on puisse réutiliser facilement d'une année à l'autre, sans avoir à refaire, sans avoir à designer, sans avoir à recalculer, et donc d'avoir quelque chose qui puisse s'adapter au thème. Au thème, donc c'est-à-dire au nombre d'actionneurs ou de capteurs dont on aurait besoin dans le robot, s'il y avait un ou deux robots, potentiellement la taille du robot, donc on voulait quelque chose d'assez compact, d'efficace, qui puisse pas forcément tout faire, mais qu'on puisse multiplier. C'est là où je vais venir juste après. Et surtout, c'est un élément qui est important, c'est quelque chose qui soit similaire, voire même identique, entre les deux robots, de façon à avoir un même code unique, et on y viendra. Donc il y a juste un jumper sur un des deux robots qui permet de switcher du code d'une partie à l'autre, mais sans se prendre la tête à se dire est-ce que je suis bien sur... la bonne interface, sur le bon code, est-ce que j'ai bien changé dans la bonne fonction, est-ce que je suis bien en train de mettre le bon code dans le bon robot. On sait tous ce qui se passe quand on est à la coupe avec le stress, il reste un match qui est dans une demi-heure, on est dans l'étape de préparation, puis ah bah si on est face à telle équipe, on va peut-être changer un truc, un machin, voilà. On s'embête pas, si on veut changer, on balance le code et ça marche. Ouais, c'est le gros avantage de votre solution, c'est d'être voilà, assez souple, mais aussi assez fiable sur ces sujets-là, quoi. Voilà, exactement. Donc l'architecture du robot a été faite sous forme de couches, on va le voir un peu ici. Voilà, donc on avait une partie actionneur et capteur, on va dire ça c'est la base hard physique le plus bas niveau qu'on avait, qui allait être communiquée via une couche de driver de pilote. Donc ça c'est inscrit dans une carte, voilà, donc il y a une première ligne qui va faire la séparation avec la carte. On va aller pouvoir piloter ses drivers, ses actionneurs et lire les capteurs. Aussi les mettre en forme en fonction du type de capteur pour que ça soit interprétable. Au-dessus de ça, on va avoir une couche de communication qui va se faire et voilà, donc qui va interpréter, recevoir des messages, en envoyer et les mettre en forme aussi. Jusqu'à une couche de stratégie et avec en parallèle un peu d'IHM là, que j'ai mis sur le côté pour du debug et comprendre un peu ce qui se passe. Et tout ça, c'est réparti dans deux cartes électroniques. On va voir donc en haut la couche IHM stratégie et la moitié, on va dire, la communication qui se passe dans une carte qu'on appelait la carte IA.
et le bas, ce qui se passe dans une carte multifonction. Et entre les deux, bah, c'est du code qui est commun, puisqu'on va le voir après dans l'électronique. En fait, les deux cartes sont basées sur les mêmes. J'ai plus de micro. Rebonsoir à tous. Alors, merci Windows qui a décidé comme ça de rien de me redémarrer mon PC. Voilà, j'adore, ça me fait beaucoup plaisir. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'espère que ça sera pas récurrent. Bon, bah écoutez, on repart avec. Alors, on va essayer de pas perdre direct Linux. Ouais, alors là, c'est incroyable. Plus de 40 lives, le machin redémarre maintenant. C'est toujours au mauvais moment. Bref, allez, c'est reparti. Je suis de nouveau avec Cabriolin. Désolé, les amis. Et puis ben on redémarre. Donc on était sur la présentation de l'architecture électronique et sur sur ta présentation de tes cartes. Écoute, je te relaisse et désolé pour ce petit problème technique. Voilà. Oui, alors du coup, je ne sais pas trop à quel endroit vous avez coupé, mais c'est pas grave, on va y arriver, on va reprendre. Donc, ce qu'on parlait, voilà, j'étais en train de dire qu'on avait découpé, j'ai trouvé mes mots, ce qui se passait sur deux types de cartes différentes. Voilà, donc la carte IA, on va dire, qui est en haut, qui représente les premières fonctions, on va rentrer un peu plus dans les détails en dessous. Qui va gérer la stratégie de l'envoi vers de l'IHM. En gros, sur le robot, on n'avait pas d'IHM, à part trois LED d'indication d'état à l'extérieur, mais on n'avait pas d'écran, pas d'IHM, tout était déporté. Et elle faisait de la communication. Et en dessous, on va aller voir une carte. Donc il y a du code commun, qui a une partie commune pour la communication avec les cartes IA, et qui, elle, va gérer bah, toute la partie acteur, actionnaire. Et c'est cette partie-là qu'on va multiplier, donc je viens juste après, en dehors de la détection d'adversaires qui se fait séparément et qui va renvoyer à la stratégie les informations. Donc ce qui se passe, c'est qu'on partait d'une batterie, jusque-là ça va, qui va alimenter une carte d'alimentation avec un interrupteur de marche arrêt, et on va alimenter la carte IA. Donc le tout se passe avec du LiPo 4S. La carte IA sur elle, elle va avoir donc différentes entrées qui vont permettre bah, le jack de départ, le switch pour choisir la couleur de quel terrain on est, les quelques LED d'état dont je parlais justement. On va avoir un potentiomètre qui va permettre de choisir la stratégie avant le match et un peu de la connectique pour du debug. Et en dessous, c'est là que ça devient intéressant. Donc, c'est les fameuses cartes multifonctions dont je parlais juste avant, qui vont être interfacés avec les capteurs. Ouais, c'est du micro ampéreur. Vous l'avez vu, j'ai fait relire à plein de monde et il n'y a personne qui l'a vu. C'est comme d'hab. Ouais, c'est bien vu, Al. Voilà. Et le petit truc qui va se passer, c'est ça. C'est qu'en fait, cette carte-là, on va pouvoir la multiplier, la dupliquer, la recopier et la mettre en parallèle. Elle était utilisée dans les deux robots. Voilà. Et on pouvait aller, alors en théorie, c'était prévu sur l'électronique d'aller jusqu'à 16 cartes. On va voir ce qu'elles sont capables de voir, enfin de faire chacune d'elles après. 16, c'est vraiment énorme. Après, il va falloir aussi au niveau communication que ça puisse se gérer. 4, c'était déjà beaucoup. Nous, dans le gros robot 2014 et 2015, on en avait deux. Dans le petit robot, on n'en avait qu'un seul. Voilà. Et tout ça va communiquer via un réseau RS-485. Alors, si c'était peut-être à refaire, je serais peut-être passé sur du CAN. Voilà, bon, ça fonctionne très bien avec ses joies et ses déboires. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. Voilà, donc on avait par contre, la balise, elle avait une grosse batterie. Hein. Il y a un facteur 1000 au niveau de l'énergie, on avait prévu large. Des kilos ampère-heure, du coup. Ah ouais, non, large. Voilà. Bon, là, c'est peut-être pas la peine. Donc, on va rentrer un peu dans le détail de chacune des cartes. On va commencer donc par les cartes multifonctions. Donc là, vous avez une photo. J'en ai une sous la main. Je vais vous la montrer. Alors, j'ai pas de retour, mais ça va bien se passer. Voilà la carte. Un On la peu. voit bien. Elle fait 10 cm sur 7, double face, donc un seul microcontrôleur. On va rentrer après dans le détail sur ce que c'est après.
De l'autre côté, on a essentiellement de la connectique. Enfin, les connectiques pour les moteurs, enfin, l'alimentation et les deux moteurs, les deux drivers de moteurs pour la puissance, les retours de codeurs qui vont se faire ici, un port de communication. En haut, on va avoir de quoi piloter des cerveaux de type modélisme classique, des entrées analogiques, on a de l'I2C, on a des entrées tout ou rien, on a des alimentations de puissance aussi, donc pour les cerveaux. On a de quoi piloter des cerveaux type AX12 aussi. Et on va avoir, ah ouais, voilà, alors si je fais le plus grand, Kamikaze, voilà, un petit peu sur la carte. On va aussi avoir deux entrées, enfin deux sorties plutôt, tout ou rien, qui vont servir à bah, justement piloter par exemple une pompe à vide ou un petit ventilateur ou quelque chose comme ça. Alors juste pour préciser, on va avoir des vues sur ta présentation grande échelle de la carte. Là, c'est une Oui, présentation rapide et cette présentation que tu fais là, on va la mettre en ligne à la fin du live, donc vous pourrez aussi revenir dessus et revoir l'ensemble de ce qui a été dit, quoi. Donc il n'y a aucun souci. ouais. Vous aurez toutes les infos que vous voudrez. Je sais pas s'il y avait déjà des questions à ce niveau-là. Sur le chat, j'en ai pas vu passer, à part sur les questions de stabilité du live. Mais bon, voilà, si ça arrive au fur et à mesure, je prendrai note. Non, bah écoute, on va continuer alors du coup. Ouais, donc on va passer au détail donc de cette fameuse carte, un peu ce qu'elle a été capable de faire. Donc l'alimentation, on l'a vu, on était en 4S lipo. Donc on est entre 14 et 20 volts à peu près. Je pense qu'on peut monter un peu au-dessus, il faudrait revérifier le détail des composants. On avait une protection donc, qui se faisait via un fusible et une protection contre les inversions de polarité. On avait donc sur la carte donc des petits tracos donc qui allaient faire donc l'alimentation en 3 volts 3 à 1 ampère et la même chose en 5 volts. Ah non, ça c'était pour la carte, pardon, je suis pas sur la bonne carte. C'est pas grave. On avait une entrée pour l'interrupteur de marche arrêt et des sorties donc qui allaient justement alimenter ces différentes cartes. Donc pour diffuser un peu la puissance sur ces différentes cartes. Elle était équipée d'un petit microcontrôleur. Alors bon, ça fait un peu riche. On avait fait la 72 MHz. C'est juste pour mesurer la tension. Et voilà. Donc elle servait cette carte bah, gérer l'arrêt d'urgence, la marche arrêt et mesurer la tension si on était un peu trop descendu pour couper la puissance pour protéger les lipos. Voilà. Donc c'est ce qui se faisait avec la tension et elle gérait aussi l'arrêt d'urgence. Dessus, on avait un gros MOSFET de 30 ampères, donc qui permet de faire la marche arrêt pilotée. On avait une communication aussi sur le bus RS-485. Alors, c'est vraiment du surplus, je crois qu'on s'en était même pas servi, c'est même pas câblé. Voilà. Voilà. On avait une pin de debug qui ne servait pas à grand-chose, et on pouvait avoir deux LED de déportée pour indiquer, par exemple, des états sur la tension de la batterie. Et sur la carte, on avait deux LED d'état aussi on-board. Voilà. Une première sur JTAG, un petit format. Je vais passer assez rapidement sur cette carte-là, hein, parce que c'est surtout les autres qui vont nous intéresser. Donc voilà, on a fait un petit peu des blocs fonctionnels, le microcontrôleur. Donc il allait avoir les informations en entrée et en sortie à travers l'arrêt d'urgence. Donc ça permet bah, de couper la puissance du robot, mais aussi éventuellement d'avoir un retour d'info. On pouvait mesurer la tension de la batterie, on allait avoir des LED d'état sur la carte et à l'extérieur, et des pins de debug. Voilà, j'ai pas de photos de la carte d'Alim, parce qu'elles sont dans les robots, je ne les ai pas démontées. Voilà, j'ai repris un peu les images de routage, éventuellement. Ben quand j'aurai l'occasion d'en démonter une, je rajouterai dans la presse un peu, ça sera mis à jour. Alors non, monsieur Hippo, on n'est pas sur de l'Arduino, on est chez NXP, donc c'est du microcontrôleur Cortex M3. Voilà. Sur un petit peu les plus et moins de la carte, donc on était bah, très content, en fait, on fonctionnait au top pour le peu qu'elle avait à faire. Mesurer bah, la tension de la batterie et si on était trop descendu, bah, ça commençait par allumer
par allumer une LED, et si ça descendait vraiment trop, bah, ça a coupé toute la puissance. Voilà, l'intérêt, c'est de protéger les lipos, hein, principalement. Parce que du coup, sur tes lipos, tu n'avais pas forcément de testeur qui était installé tout le temps. Tu te servais uniquement de ta carte d'alimentation, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. On n'avait pas de lecteur externe, c'était la carte d'alimentation et les cartes multifonctions, on va voir après, donc qui faisaient la mesure de tension de la batterie et qui nous renvoyait l'info, qui pilotait ce qui devait se passer en fonction de la tension de batterie à ce Ok. moment-là. On avait largement assez d'autonomie pour faire la moitié de la Coupe de France sans recharger quasiment. Ah oui. Bon, le problème, oui, par rapport au robot, les batteries qui étaient un peu surdimensionnées, sans faire trop de tests entre les matchs, hein, quand même, hein, pas exagérer, mais voilà, c'était essentiellement pendant les essais qu'on faisait chez nous à faire la prog. En général, on finissait par débrancher et recharger en fin de journée dans le doute, sans que ça ait à couper en automatique. Ok, bien dimensionné. On était large. Donc là, on va passer sur la carte IA. Un petit peu de détails. Donc, on vient de le faire pour la carte Alim, mais version carte IA. Je vous la présente rapidement en 3D. Et il y aura des photos après aussi. Hein. Donc, elle est beaucoup plus petite que les cartes multifonctions. Et on va voir un peu ce qu'elle fait. Donc, pareil, la tension d'alimentation venait de la carte d'Alim. Donc, on est toujours entre 14 et 20 volts. Donc, 4 éléments LiPo. Elle faisait de la création de 3 volts en embarqué. On a évité de déporter les créations de justement toutes ces tensions de 3 volts, 3, 5 volts sur une carte centrale. On a préféré les avoir sur chacune des cartes pour répartir justement cette charge de courant plutôt que de la générer à un seul endroit. Ne pas trop la perturber aussi avec le câblage. Ça permettait de rester très local, éviter les parasites d'une autre carte qui puissent se répercuter. Donc c'est un parti qu'on a pris de créer chaque carte, créer ses propres tensions à partir de la tension d'alimentation de la batterie. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit beaucoup d'équipes utiliser plutôt une autre architecture avec une carte qui va prendre la tension batterie et générer en fait des tensions plus basses pour l'ensemble des autres cartes. Ça s'appelle généralement la carte d'alimentation. C'est du coup pas un choix que vous avez fait vous de votre côté. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant comme architecture. Mais pour une raison particulière que tu vas expliquer ou que tu as déjà un petit peu expliqué après au début, c'est que vos cartes elles sont utilisables quasiment seules, en fait. Et c'est ça l'idée, au final. Oui. Donc là, on va arriver sur la carte IA, celle qu'on présentera juste après, que je vous ai présenté un peu, enfin, que je vous ai montré en gros, là, la première. Si on voulait schématiser, même dans un gros robot, mais principalement dans un petit, on pourrait utiliser uniquement cette carte-là dans le robot, ne mettre que cette carte électronique, et on pourrait tout faire avec. Le robot serait homologable, il pourrait se déplacer, déplacer des actionneurs, faire de la détection d'adversaires et de l'évitement. Gérer la batterie, gérer l'arrêt d'urgence, des entrées, des capteurs. Donc le but, c'était d'avoir ça, et on l'a fait en 2014, lorsqu'on a fait vice-champion de France. Dans le petit robot, on avait uniquement cette carte-là. Bon, il faisait pas grand-chose à l'époque pour d'autres raisons, mais voilà, on aurait pu avoir un robot tout à fait fonctionnel. On a eu un robot tout à fait fonctionnel avec une seule carte électronique, comme celle que je vais vous présenter juste après. Parce que on en a discuté ensemble, la fonction première d'un robot, c'est de se déplacer. C'était notre priorité chaque année. On a même consacré notre première année de coupe quasiment à ça. Ce qu'on voulait faire, c'était un robot qui fonctionne, une base, quelque chose, pas forcément que base roulante mécanique, mais aussi électronique et info. Un truc qui soit fiable, qui se déplace d'un point A à un point B et qu'on puisse réutiliser d'une année à l'autre. Le plus simplement possible. L'objectif, c'était quand il y avait un nouveau règlement, alors qu'on passait une nouvelle année, on remettait cette carte-là, on regardait le règlement. Il y avait certaines actions, c'est l'interprétation qu'on en faisait, il y a des actions qui demandaient simplement de pouvoir se déplacer. Et en gros, ces actions-là, le règlement, il sortait au mois de septembre. Les premières actions de se déplacer, on pouvait les faire la semaine qui suivait.
Et les premiers et à peu près le reste, ouais, quasiment le reste de toutes les actions qui étaient à réaliser sur un robot, elles étaient faites pour Noël. Donc en gros, à Noël, on avait le robot qui était complet, qui était fonctionnel. Alors pas forcément tous ses quarters, il manquait de l'habillage, après il manquait pas mal de code au niveau de la stratégie. Mais les actions individuelles qu'on s'était fixées pour objectif de faire pour la coupe, en gros à Noël, on était capable de les faire. Et après, bah, c'était de la stratégie pour les enchaîner, comment on allait gérer l'évitement des adversaires. Voilà, c'est vraiment du détail, du peaufinage sur des coefficients au niveau de la stratégie pour savoir quelle action faire à quel moment. Et un peu de l'amélioration de bricole ou du débogage, hein, tout simplement. De la fiabilisation. Mais voilà, l'objectif, c'était de se déplacer et de faire des actions élémentaires. Et ouais, Alex, easy, mais ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, beaucoup, beaucoup trop de temps. Voilà, moi je vais revenir un peu sur la presse. Hein. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc sur la carte IA, on petit créait son 3,3 V. On avait deux plans de masse, un au-dessus et un en dessous, pareil, donc pour la protection électromagnétique. Au niveau microcontrôleur, on a utilisé tout le temps le même microcontrôleur tout partout dans le robot. Donc chez NXP, donc il s'appelait le LPC 1769. Donc c'est un Cortex M3 qui fonctionne en théorie à 120, non 100 MHz. On l'a boosté à 128 sans problème. L'avantage du 128 MHz, c'était d'avoir des coefficients de division pour les baud rates de communication. Ouais. Qui faisait des valeurs rondes, donc 1 MHz, 1 mégabot, c'est plus facile. Au niveau mémoire, 64 kilobits de RAM, c'est confortable. 512 kilobits de flash, on ne sait pas quoi en faire. On avait donc un grand connecteur donc, qui va aller sur le dessus du robot à différentes entrées. Donc une première entrée, c'était un potentiomètre en fait, pour faire un choix de stratégie. Plutôt que d'avoir des interrupteurs, donc plein d'interrupteurs pour faire des choix de stratégie, on était plutôt parti sur l'idée d'un potentiomètre. Donc une plage, pas infinie, mais de 4000 possibilités en gros. Et on a mis des plages, enfin au feutre dessus, on avait mis 0, on a relevé des valeurs en tournant le potard, on mettait un petit trait devant le bouton. Ça c'était stratégie 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on avait des 4 ou 5, je sais plus, sur le robot. On aurait pu en mettre 4000, c'est impossible à régler. Voilà, c'était sûr de ne pas être sur la bonne. Mais voilà, plutôt, ça fait qu'une seule entrée sur le microcontrôleur pour avoir plein de stratégies possibles. Ah, parce que t'avais pas d'écran en fait sur ce robot et sur cette carte pour pouvoir afficher la stratégie qui était choisie, quoi. Tu la choisissais directement avec ton potentiomètre, quoi. Ah oui, il y avait aucun menu ou entrée d'affichage, quoi. On tournait le potentiomètre, on mettait en route le robot et c'était. Ouais, on va dire 100 MHz en 2015, c'était pas la folie, mais en microcontrôleur, c'est ça. Ça commençait à se faire, mais c'était pas ce qui était le plus répandu, effectivement. Il y avait déjà des Raspberry, des Ouais. BeagleBones à 5, 6, 700 MHz, mais c'était pas non plus très très répandu, surtout à la coupe. Et on voulait éviter cette escalade de trucs qui deviennent vraiment trop lourdes avec des vrais Linux et machin. Vous voulez rester un peu plus bas en niveau sur des microcontrôleurs. Enfin, pas forcément plus bas en termes de performance. Hein. C'est déjà à l'échelle du microcontrôleur, 100 MHz, ça va déjà plutôt Oui. vite. On se rend pas compte à force d'avoir des vitesses sur des PC à des gigahertz, mais oui, c'est déjà pas mal. Et voilà, on voulait rester sur quelque chose qui reste. Plus proche du bas niveau que du vrai OS compliqué à gérer. Enfin, surtout qu'on n'était pas de codeur, pas d'informatique, pas d'informaticien Oui, c'est ça, parce que ta de... formation à la base, c'était pas quelque chose que tu Formation. avais forcément vu et que tu étais plus proche du microcontrôleur que du processeur et que des systèmes de programmation sur les systèmes d'exploitation, quoi, au final. Ah oui, voilà, tout à fait. Concrètement, on a bossé sur les robots, on était deux. En concret, et mon père qui, lui, il faut même pas lui demander d'écrire une ligne de code, de la méca, et moi, en face, bah, je faisais toutes les LEC et toute l'informatique, les câblages, la stratégie, l'IHM, j'en passe, c'est des meilleurs.
Donc, il arrive un moment où il faut faire des choix sur le temps qu'on a et on va consacrer à faire des couches un peu plus simples et pas passer du temps à débugger du Linux. Ok, ça roule. Notre choix. Sur le même connecteur, donc on va avoir quatre entrées. Il y en a une donc, qui servait au jack de démarrage pour le choix de la couleur et un bouton poussoir pour l'initialisation. Donc, init, on mettait en place le robot, on appuyait sur un bouton, il lançait sa séquence d'init. Après, c'est du séquençage, il fallait appuyer deux, trois fois pour lancer différentes séquences de synchro. Il y avait une autre entrée qui ne nous avait pas servi et qu'on aurait pu. Et sur la carte, donc on a deux boutons onboard de la carte, deux petits boutons poussoirs, qui sur celle que j'ai présentée sont même pas soudés, quoi. On n'avait pas eu besoin. C'était l'idée, c'est de pouvoir les avoir, soit pour faire du debug en dehors de la carte, soit pour rentrer en mode bootloader si on avait, voilà, comme ça qu'on n'a pas utilisé. On a un petit switch de reset. Donc le petit jumper dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui permettait de sur une entrée digitale de choisir si on rentrait, on lançait le code du petit ou du gros robot, puisqu'en fait quand on l'uploadait, c'était exactement le même. On rentrait la même version. Ouais, c'est quelque chose que nous aussi on a fait comme choix sur nos robots et je pense qu'on reviendra jamais en arrière. On a donc deux ports de communication RS-485. C'est un choix de support de communication qu'on a fait. On aurait pu partir sur l'I2C. Il y a aussi un port d'I2C, on y viendra après. L'avantage du RS-485, c'était de pouvoir envoyer des messages à toutes les cartes sans forcément choisir une adresse. C'est aussi pouvoir de l'espionner facilement pour l'IHM, donc on vient se brancher dessus. L'IHM écoute tous les messages qui passent. Enfin, après, c'est le code de l'IHM qui va les trier et qui va savoir quoi en faire ou pas. Et donc, il y avait un des ports qui servait pour communiquer à l'intérieur du robot entre les cartes. Et le deuxième, on l'a pas utilisé. Il aurait pu servir justement pour de l'IHM. Renvoyer, éviter d'avoir tous les messages et ne se consacrer que sur un seul des ports pour alléger un peu. On avait peur qu'il y ait trop de messages qui passent et que ça suive pas trop. Voilà, j'avais prévu un peu plus large que nécessaire. Donc on allait avoir justement un port I2C. Donc voilà, pour ceux qui seraient plutôt fans de l'I2C, on aurait pu tout à fait tout passer sur l'I2C. On a un port série pour le XB, pour communiquer entre les robots. Donc le XB servait entre les deux robots. Il servait aussi avec les balises. Donc on avait quatre modules XB en même temps. Donc chaque robot avait sa carte IA comme on l'a là, avec son module XB, et sur la tête, sa balise avec elle aussi son module XB. Donc ça nous a pu justement communiquer dans tous les sens possibles entre un robot et sa balise, entre sa balise et son robot, entre les deux robots, entre une balise et l'autre robot, comme on voulait. Ou encore pour du debug, on pouvait avoir un module XB à côté du PC pour le debug et envoyer des commandes ou recevoir des infos sans forcément être câblé en physique. Et il y avait aussi, on avait prévu l'argent du côté des bugs, Je vois ça. un port USB. Donc on l'a surtout utilisé USB pour le debug à l'époque. Voilà, on avait aussi intégré une petite mémoire flash en SPI. Donc elle allait recevoir un peu tout ce qui se passait pendant le match, le mémoriser. Donc elle était compartimentée en trois blocs. On pouvait mémoriser l'équivalent de trois matchs en continu. Donc chaque page de la mémoire flash était écrite avec des informations. Donc position du robot, position des actionneurs, les choix de la stratégie, les valeurs des capteurs, la position des adversaires. Il y avait aussi des flashs qui étaient mémorisés, enfin des pages mémorisées avec le passwani, un peu ce qu'ils trouvaient comme chemin, pourquoi. Des messages de log, tout simplement. Donc tout ça était enchaîné était eurodaté aussi. Et on allait pouvoir, une fois que les matchs étaient finis, on se repenchait avec des choix de debug possibles qu'on a au-dessus, dans l'IHM. Et on allait pouvoir téléverser justement ce contenu de la mémoire flash dans l'IHM pour rejouer en live, enfin en live en différé plutôt, ce qui s'était passé pendant le match et voir
Donc soit en temps réel ou alors en vitesse accélérée et réenregistrer à nouveau sur le PC, aller voir ce qui se passe étape par étape, page par page, les choix qu'il a fait, pourquoi, où est-ce qu'il a vu un adversaire et comparer avec la vidéo pour savoir si c'est un problème de détection de l'adversaire, pourquoi il a choisi telle action à tel moment ou pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez utilisé après coup sur des matchs et qui ont vraiment fait la différence, je veux dire, pendant la coupe, ou c'est quelque chose qui a été plus intéressant pour vous pendant la phase de, comment dire, pas de prototypage, mais de mise en place sur l'étape de test. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment, ça c'est quelque chose qui vous a vraiment servi en vous disant, pendant un match, ça a merdé complètement, on rejoue, on trouve la solution, et le match d'après, on a corrigé la solution. On a corrigé le problème, pardon. Oui, on l'a fait à la Coupe 2015. On a eu des gros problèmes au début où le robot il démarrait, il sortait de sa case et enfin sa zone de départ et ne bougeait plus à la première action. D'accord. Là, on s'est retrouvé à deux devant la table. Pourquoi il bouge pas? On a essayé de faire le tour, de regarder, dire il y a une carte qui est plantée. Donc on avait fait un peu des zones transparentes où on voyait. On voyait les LED qui clignotaient, on dit non, les cartes sont pas plantées. Voilà, typiquement, sans ça, à la fin des 90 secondes, tu arrêtes le robot, tu reprends le robot, t'as aucune chance de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Et là, du coup, et là, en l'occurrence, que c'était quoi? Là, on l'a réuni, on l'a remis sur une table de test, on l'a redémarré et il a fonctionné. D'accord. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il avait jamais atteint le point où il devait effectuer l'action, en fait, en termes de coordonnées XY. Hein. Il était trop loin de son arrivée. Enfin, c'était un problème de réglage. Et ça nous arrivait deux matchs, trois matchs d'affilée. Et la cause qui en a été faite, on n'a pas été la seule équipe à avoir ce problème-là. Alors, on va pas chercher d'excuses, hein, mais typiquement, c'était l'organisation de Planète Science qui repeignait les tables tous les soirs. Et en gros, la peinture n'était pas suffisamment sèche le matin ou pour les matchs. Et le robot, les butées, enfin les points d'appui du robot accrochaient trop, et les asservissements n'étaient pas réglés suffisamment finement pour ça, et il mettait plus suffisamment de puissance au moteur pour finir les derniers millimètres qui manquaient. Et Parce que la, il a ouais, été. la Coupe de France de robotique 2015, c'était le cinéma, c'est ça? Et le Ouais. cinéma, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on utilisait encore à l'époque des tables qui étaient peintes. Et Je il y sais. avait des robots qui abîmaient les Robot Movies. Merci Kamika, je cherchais le nom du thème. Et c'est vrai que du coup, ces tables qui étaient peintes, elles ont. C'était une solution, hein, mais c'est vrai que ça fournissait des fois des problèmes avec des équipes qui abîmaient les tables, que l'équipe de Planète Science devait réparer des fois un petit peu rapidement dans l'urgence. Et alors nous, ça fait écho aussi à d'autres choses qu'on a eues. Nous, on a eu des problèmes sur BeachBot, où on n'arrivait pas à pousser certains éléments parce que y avait trop d'adhérence entre les éléments de jeu peints et la table qui était également peinte. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur des terrains qui sont en vinyle, et je pense que ni l'organisation ni les équipes ne reviendront en arrière là-dessus, parce que c'est beaucoup plus fiable que la peinture. Mais là, c'est assez flagrant de voir ce que ça pouvait générer comme problème sur votre équipe, par exemple. Mais là, on s'en est rendu compte, c'est en rentrant au stand, on a branché le robot, on a lancé la lecture du match, on a vu les coordonnées donc, auxquelles il devait aller, on a vu les coordonnées à laquelle il était. Il manquait, pourtant on a mis une première fenêtre, genre je sais plus, c'était à 3 mm de distance, où on considérait être arrivé. À deux fois cette distance, pendant un certain nombre de secondes, c'était une phase de sécurité. Il considérait aussi être arrivé pour essayer de continuer. C'est jamais arrivé. Et là, on est resté bloqué. Je crois que ça nous est arrivé deux matchs d'affilée. Ouais. Ça nous a planté la coupe. Le troisième match, qu'est-ce qu'on a eu? Là, on a eu la tirette qui a cassé au moment de lancer le robot. Ah, ouf. Le crochet était mal mis, ça a cassé la tirette qui était pourtant en acier soudé, mais ça, enfin brasé, ça lui a pas plu. Il y a eu un gros effort un moment de flexion et non pas de traction, elle a cassé. Donc le petit robot qui était devant n'est pas parti. Le gros a voulu partir et a essayé de le pousser, il n'a pas aimé. Et voilà. Ça nous a flingué la coupe.
Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc typiquement, là, la mémoire flash, ça nous a aidé. Ça nous a servi aussi en Coupe d'Île-de-France, où on a voulu, voilà, on s'amusait face à RCVA, sur les matchs de finale, à faire des trucs un peu tordus, et on a fait des essais. Donc là, c'était pas en match, c'était en essai pour savoir un peu ce qui se passait, un peu finement. On a rejoué un peu ça. Voilà, on a aussi deux pins, on les voit sur la photo, J1, J2, bah, qui permettent de brancher un analyseur logique et de savoir un peu ce qui se Ok. passe. Voilà, il y avait trois cartes, trois lettres sur la carte, donc bah, pour un peu des lettres d'état. Et on pouvait avoir aussi trois lettres qui sortaient sur le dessus du robot pour nous afficher des petites infos, genre je suis prêt à initialiser, je suis prêt pour le match, ma tension est trop basse, j'en passe des meilleurs. Plus des lettres de présence de tension, d'association Vous également. êtes complètement affranchi de l'écran LCD, quoi. C'est vraiment le plus simple possible, quoi. Et c'est très bien, en fait, au final. Oui, bah, tout ce qu'on utilisait, on a remplacé l'écran par un câble qui venait dessus et on l'a déporté sur un PC, cette partie. C'est un choix qui a été fait, un écran, c'est de la connectique, c'est du code qui fonctionne. Parce qu'il faut quand même afficher des infos, donc il y a du code qui tourne, qui prend du temps machine. Nous, en déportant et en venant espionner avec le PC sur le bus, C'est suffisant. bah, ça prend aucun temps sur le microcontrôleur. Parce que enfin, pour le robot, c'est totalement transparent. Et c'est le PC à côté bah, qui gère les messages, qui filtre, et qui affiche ce qu'il faut là où ça va. Voilà, c'est un choix qu'on a fait. Donc voilà, donc les cartes étaient programmées via l'environnement fourni par NXP, donc qui est gratuit jusqu'à 256 kilos de code, autrement dit, on ne sait pas trop quoi faire pour aller au bout. Ah, c'est drôle ça, cette limitation. Dans la version gratuite, oui. Il limite sur une taille de code. Ok, non, j'étais pas au courant de ça, par exemple. Oui, bah, voilà, c'est leur choix stratégique et commercial. On va leur laisser. C'était à l'époque, je sais pas ce qu'il en est encore maintenant, mais je l'ai téléchargé, mais j'ai pas fait attention. Enfin, visuellement, enfin, de ce que j'ai téléchargé, ça n'avait pas été réduit. Donc ça doit être toujours au-dessus de 256 kilos, à moins qu'il soit passé à 512. Enfin, pour remplir 256 kilobits de flash. Ouais, faut y aller quand même, faut avoir des choses à faire. Et donc la carte est compatible donc un OS temps réel, donc FreeRTOS, c'est ce qu'on utilisera, on en parlera après à la fin de la présentation. Donc voilà, au niveau des blocs fonctionnels, donc on avait le microcontrôleur, différentes entrées-sorties, donc pour des limites du départ et des choix de couleurs, le potard pour la stratégie. À ma connaissance, j'ai pas vu d'autres utiliser un potentiomètre pour faire un choix de stratégie. Alors maintenant, c'est peut-être le cas, je sais pas, à l'époque, pas que j'ai su. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des encodeurs et des écrans, les switches, mais c'est vrai qu'il y a un potentiomètre, j'ai pas d'idée qui me j'ai pas d'équipe qui me vient en tête, c'est rigolo comme choix. Bon, on l'avait fait. Ça marche très bien. Hein. Oui. Voilà. Donc, on a un peu d'entrée-sortie. La communication RS-485 vers le XB. Un module I2C qu'on n'avait pas utilisé, mais qui aurait pu l'être. De l'USB et encore un deuxième RS-485 pour du debug. Et puis, la petite flash SPI qui va bien. Donc, les trois LED on-board. Les deux pins de debug. Et le petit, je vais pas changer l'image, le petit Ah oui. jumper pour le choix du robot au départ. Et les deux switches de choix, l'alimentation. Voilà, donc là une photo de la carte, je vais essayer de la présentation avec tout à l'heure, je vais essayer de la présenter devant la même cab, c'est pas évident. Voilà, donc on avait un peu de connectique tout le tour Alors si tu principalement. peux recliquer dessus, parce qu'on la voit pas, du coup. Voilà. En fait, il y a un petit décalage chaque fois que tu cliques, j'ai l'impression que ça se met pas à jour. Voilà, c'est bon là, nickel là. Là, on l'a. Ok, passer la page après. Ah, Bon, t'as c'est la pas page trop grave. d'avant là, du coup, c'est ça? Ben oui, Ah, ça ok, explique c'est pas certains décalages. Ok, d'accord, bah écoute, voilà. T'as un décalage d'une page en fait. Sur la présentation, c'est étrange. Alors, pour répondre rapidement à des fautes, l'I2C, nous, on ne l'a pas utilisé.
Je n'ai pas rentré sur le terrain. J'ai testé rapidement. Ça fonctionnait. Ça fonctionne très bien, l'IDOC. Hein. Barba va pas dire le contraire. Nous, on était parti sur un autre choix. On s'était laissé cette option-là. En gros, ça coûte rien de mettre 4 trous et un connecteur sur la carte. Si jamais on était embêté lors du développement avec le RS485 pour pouvoir passer sur une autre techno, pour pouvoir interfacer simplement des capteurs ou un écran IDOC ou des télémètres. Voilà, il y a plein de choses qui existent déjà en IDOC et voilà, ça permettait bah, de pouvoir laisser cette fenêtre ouverte et cette extension possible. Et pour compléter, effectivement, nous on est sur IDOC depuis bah, quasiment le début, bah, depuis le début de l'équipe. Il y a eu une année où on a eu un souci, c'est quand on a sorti les fils IDOC pour communiquer entre les cartes et que les fils passaient un peu trop près d'un câble batterie. Et on a eu énormément de problèmes en fait sur la communication. Donc en fait on est revenu sur de l'IDC qui reste contraint bah, sur une carte et qui ne sort pas avec un connecteur fil. Voilà, et si jamais on sort, il y a des solutions avec des étendeurs ou avec des composants qu'on peut rajouter qui vont disons donner un peu plus de robustesse au bus. Ce que je fais systématiquement quand je sors maintenant un câble USB. Mais non, les câbles n'étaient pas blindés, tu vois, par exemple, cette année. C'était juste des nappes. Donc voilà. C'est une des raisons, c'est aussi ça où il faut faire un petit peu attention. Et nous, ça nous avait posé problème une année. Maintenant, pour tout le reste, on n'a pas eu de soucis. Après, bah, tu vas en parler, Cabriolet, mais le RS485 a beaucoup, beaucoup d'avantages quand même aussi sur l'IDC, en termes notamment de câblage et en termes de fonctionnement, quoi. Oui, je vais peut-être pas trop rentrer dans le détail, on en parlera Oui, tout à oui. fait. Le RS485 qui est plus orienté industrie que la communication à longue distance, ça va jusqu'à 1200 mètres peut-être, et dans des environnements un peu électromagnétiques un peu compliqués. Non, pas tout, il n'y avait pas de driver RS485 sur le chip. C'est un petit tissé qui est rajouté à côté, un petit driver, un petit tensailleur. Mais en gros, c'est une interface UART, une interface série qui rentre et après le driver s'occupe de la mise en format des signaux qui vont venir. T'as les Max 485 qui existent tout bêtement, en fait, pour le. Oui, Voilà. Et puis c'est tout. on utilisait une version enfin non traversante, mais le Max Fonctionne 485 très bien. fonctionne. Donc voilà. Alors c'est bizarre, c'est que vous êtes toujours resté sur la page que j'ai pas, bon c'est pas grave. Ouais, il y a un décalage de page. Bon, écoute, c'est encore un souci. Et voilà. Donc un peu les images. J'ai mis des photos du petit pont vu dessus, dessous. Je sais pas comment ça va passer, parce que du coup, Ah, c'est grand. voilà. Donc sur l'image de droite. Et forcément, ça marche pas. Non, c'est bon, on a l'image, là, c'est nickel. Sur l'image de droite, donc qui est le bottom, on a le microcontrôleur. On dirait que toutes les pattes sont fusionnées. En fait, c'est pas le cas. Hein. C'est l'image qui est un peu dans la qualité qui fait cet effet-là. En réalité, ça n'est Et là, on pas. n'a plus l'image, là, du coup. Ça, c'est. Alors, après tout, pourquoi prendre du RS485 plutôt que de l'UART? L'intérêt du RS485, c'est que tu as un mètre et qui va pouvoir. Alors, c'est pas que la robustesse, hein, c'est aussi un mètre qui va pouvoir communiquer à plusieurs esclaves sur un même bus, hein, comme un bus IDC, par un mètre, tu as un bus qui passe et tu vas pouvoir y brancher plusieurs cartes qui vont écouter les messages. Si tu utilises de l'UART seul, ben c'est uniquement d'une carte vers une autre carte. Donc si, comme là on avait le cas donc de la carte IA qui allait pouvoir communiquer à 3, 4, 5, 6 cartes esclaves sous forme d'un bus. Si on avait voulu le faire avec de l'UART, ben, il aurait fallu utiliser 5, 6, 7, 8 modules UART et un pour chaque carte. En fait, ce qui... Alors que là, voilà, tous les messages passent sur le bus.
toutes les cartes reçoivent l'ensemble des messages. Et ensuite, bah, elles écoutent que, en fonction de leur programmation, celle qui les concerne. En fait, c'est effectivement hyper intéressant parce que ça demande très peu de composants supplémentaires. Et en plus, comme c'est finalement que du série derrière, n'importe quel microcontrôleur, quelle que soit sa puissance, est en capacité de gérer en fait ce type de bus, moyennant ce petit Max 485 qu'on pourrait rajouter dessus. Et c'est en ça que ça en fait un protocole qui est intéressant, quoi, finalement. Oui. Et on l'avait même fait côté PC pour le debug avec l'IHM. On avait, oui, c'est bidirectionnel, oui. Et on avait bah, le Max 485, donc qui nous sort un signal TTL-URT avec bah, derrière simplement FT232 pour tracer l'URT à l'USB. On est branché en USB. Le PC, il y voit un port COM virtuel terminé, que ça soit. Simplement ouvrir une console ou quelque chose d'un peu plus compliqué qu'une console, voilà, mais vous ouvrez un port COM virtuel et vous avez tout le message qui arrive directement. Donc c'est facile à écouter, c'est Siri. Le RS485 fait que en soi que ça soit protégé contre les parasites. Enfin, au moins une certaine protection électromagnétique avec deux niveaux qui se croisent en termes de tension. On va pas rentrer dans les détails, mais Et tu l'as dit, hein, c'est utilisé dans l'industrie et c'est un bus terrain, donc c'est un bus qui, voilà, qui c'est une manière de faire qui est relativement ancienne, mais robuste. Voilà. Donc branché en USB sur le PC, oui c'est ça, en fait, t'as une liaison série en fait sur le PC et tu écoutes quoi, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. On a une petite carte interface, il y a deux composants, il n'y a même pas de gelée-là, il n'y a même pas de condensateur, il y a une prise, le Max 485, et un transceiver, donc un signal série ERT en USB pour faire un port COM virtuel et terminé. La simplicité même. Oui, et c'était notre mot d'ordre. Pourtant, on va voir après que c'est un peu tordu, mais voilà. Donc un peu le résumé sur la carte IA, si je devais dire un peu les avantages, les inconvénients. Les avantages, on était super contents de par sa puissance de calcul. Et le fait qu'on est réparti sous différentes cartes et qu'elle n'ait pas à gérer l'asservissement, elle n'a pas à gérer directement les capteurs ou les actionneurs, ça dégage énormément de temps. Donc on a pu faire bah, pas mal de calculs au niveau stratégique, au niveau pathfinding aussi, on a pu calculer de façon assez fréquente le pathfinding. Et voilà. Donc c'était vraiment un truc assez simple, puissant. Voilà. Donc on avait la communication inter-robot et avec les balises qui étaient gérées, tout centralisé sur un seul microcontrôleur, qui recevait un peu tout, qui recevait les infos de tout le robot. Voilà. La carte qui était super compacte, hein, elle fait là l'image elle paraît grande, mais si jamais à côté de ma main, elle fait 5 cm sur 7. Très petite. C'est tout petit. Voilà, par rapport au XB, hein, pour ceux qui ont déjà essayé le XB, voilà la taille qui fait sur la carte, c'est quasiment la moitié de la surface de la carte, rien qu'à lui. Voilà, et le reste, c'est quasiment que la connectique. Voilà. Les défauts, ben, on n'en a trouvé aucun. Elle est parfaite. Bah, parfaite, je sais pas si elle est parfaite, hein, mais voilà, elle répondait à tous les besoins qu'on a eu d'en faire. En termes, tant au niveau communication que les possibilités de faire du debug, ouais, je sais pas, c'est des meilleurs, on était très large. Donc voilà pour la carte IA. Est-ce que vous avez des questions sur le chat un peu Barba, il faut changer après cette présentation. Ah, pour passer sur du RS 485, c'est ça? Plutôt que sur l'I2C? Non, mais. dirais pas ça a ses avantages, ses inconvénients des deux côtés. Bah, ouais, alors en fait, nous, on n'a pas forcément besoin parce qu'on a que deux cartes qui communiquent entre elles. Et donc, du coup, l'I2C nous suffit.
Et en vrai, passer sur Edurex 485 serait pas forcément, on serait pas forcément gagnant et nous de notre côté. Par contre, sur une archi telle que Cabriolin le présente, où on peut mettre plusieurs de ce type de cartes, et ben oui, ça commence à avoir énormément de sens. Et là, pour le coup, l'IDC est un peu moins intéressant. L'update sur du Buscan. Alors, ouais, Alors, voilà, toi, t'en parlais, du coup, au cabriolet, que toi, tu passerais sur du Buscan si jamais tu devais reconcevoir. à l'époque, j'avais regardé au Buscan. J'avais trouvé ça super compliqué par rapport au S485. Dans le sens où, au niveau physique, le driver est semblable. Je vais pas dire qu'on pourrait les transformer directement, enfin remplacer sur la carte le Transceiver RS485 par un Transceiver CAN. J'ai pas regardé, c'est peut-être faisable, peut-être pas au niveau des pins, je sais pas trop ce qui est compatible. Le principe est un peu le même. À l'époque, j'avais trouvé ça super compliqué au niveau de la communication, dans le sens où j'avais compris qu'on pouvait échanger qu'un octet à la fois. Alors en écoutant un des lives d'Antoine de CVRA, pardon, excuse-moi Antoine, il avait présenté un peu juste avant qu'on fasse la vidéo. Voilà, j'ai regardé ce qu'ils avaient fait et ça m'a fait changer d'avis. Effectivement, il y a des couches logicielles un peu supérieures où on peut s'affranchir de ça. L'architecture adressable, alors physiquement, non. Puisque dans le sens où le transceiver, il va faire passer tous les messages qu'il reçoit dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est à toi de le gérer, la partie adresse. Tu peux pas donner au transceiver des messages à filtrer et lui il va te renvoyer tout ce qu'il reçoit. Mais ce qui est du coup très intéressant pour écouter en fait au final, parce que écouter c'est très facile sur du RS485, tu te branches et tu vois de toute façon tout ce qui se passe quoi au final. Ah oui, tout à fait. Il y a un autre inconvénient au RS485, c'est qu'il n'y a pas forcément la notion de maître et d'esclave. C'est à l'utilisateur aussi de piloter. Et si tu as deux cartes qui décident d'envoyer en même temps un message, bah tu n'en as aucun des deux qui va arriver parce qu'ils vont être pollués tous les deux. Là où le CAN va gérer cette histoire, cette notion de conflit. Le RS485 le gère pas. Donc après, on avait utilisé un peu une astuce au niveau du code en se disant il n'y a qu'une seule carte qui est maître, qui balance des messages, qui pose des questions. Et les autres cartes, bah, au moment où elles reçoivent une question avec l'adresse qui la concerne, elles y répondront. Au moment où la carte maître a ouvert une fenêtre de communication à ce Ça moment-là. ressemble vachement à ce qu'on fait sur l'I2C par exemple. C'est exactement le même principe où on a un maître, plusieurs esclaves, et où finalement l'esclave ne renvoie jamais rien, c'est le maître qui va interroger quoi au final. Voilà, c'est ça. Sauf que tu n'as toujours qu'un seul maître et les esclaves ne prendront jamais la décision d'envoyer un C'est ça, message. Sur 485, physiquement, rien n'empêche de le ouais. faire. Si ça le fait, c'est la cata. Donc c'est vraiment sur le soft à le gérer. Ouais. Mais ça se fait assez bien en architectant un peu je sais pas si ça se dit ce mot-là. En quoi? En En designant. designant, ouais, plutôt, ouais, voilà. Ni Dieu ni maître, ouais, c'est un peu l'idée. Chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il respecte celui qui décide. Voilà. On va passer à la carte suivante. Yes. Si vous voulez bien, on va s'avancer un peu. Donc, c'est les cartes qu'on appelait multifonctions. Donc, là, on a une vue un peu en 3D qui est là de la carte. Tu me dis si ça fonctionne, hein, Barba? Bah là, on est sur le détail des cartes, ouais, c'est bon. Ouais! Voilà. Donc c'est la fameuse carte qui est potentiellement tout à fait autonome sur un robot. On va voir ce qu'elle fait après. Et vous allez me dire oui, c'est capable, on l'a fait et c'est tout à fait faisable d'avoir que cette carte-là dans un robot et d'être homologable et de faire largement du score avec que ça. Voilà, donc toujours la même alimentation, on est sur la même batterie. La carte va créer du 3 volts 3 pour l'aspect microcontrôleur et du 5 volts. Donc le 5 volts, on va voir à quoi il sert après. Donc il alimente les codeurs, mais pas que. Alors on a deux plans de masse dessus-dessous. En réalité, c'est plus, puisqu'ils vont être découpés. On va voir un peu après dans les images du routage pour séparer la puissance et la commande.
Voilà, donc il y a dessus et dessous, et en réalité, ils sont parqués et ça se regroupe que vraiment au dernier moment, au niveau du retour à la batterie. Le même microcontrôleur, on ne change pas une famille qui marque des points. L'avantage, c'était du coup de pouvoir développer qu'un seul code, qui soit commun aux deux cartes, sur l'aspect OS temps réel. L'aspect driver aussi, puisqu'en fait, par rapport à la carte IA qu'on a vue juste au-dessus, sur la communication, ce sont les mêmes pins qui sont utilisés, les mêmes chips, tout pareil. Donc, on a codé un peu la partie communication, et il a suffi de faire un copier-coller du code pour l'autre carte, et ça fonctionnait tout à fait. Donc, ça, c'était. On voulait des choses qui soient les plus réutilisables possibles. Et ben ça fonctionnait, donc ça passait par le fait d'utiliser le seul microcontrôleur tout partout. La partie puissance, donc elle va pouvoir piloter deux moteurs courant continu. En termes de courant, ce sont les drivers, donc LMD 18200T qui vont être limitants. Nous, sur le gros robot, on avait de la puissance, on s'en est pas trop soucié. On a rajouté deux dissipateurs thermiques, parce que ça consommait un peu plus, mais sinon, il n'y avait pas besoin. Sur un petit robot, il n'y en avait même pas besoin. On a donc deux retours codeurs pour les codeurs en quadrature, donc ils vont être alimentés en 5 volts, donc par l'alimentation qu'on avait juste au-dessus. Et donc ils vont être lus par le microcontrôleur. Il n'y a pas de chip de décodage destiné aux quadratures. C'est le microcontrôleur. Il n'y a pas non. Alors il y a un module décodage en quadrature dans le microcontrôleur. On l'a pas utilisé. Et tout est décodé via des interrupteurs. Donc les quatre. Parce qu'en fait, que tu n'as qu'un seul module, tu n'en as pas deux dans ce microcontrôleur-là, c'est ça? Voilà. Il y en aurait deux, effectivement. La question ne se serait même pas posée. Il y en avait qu'un, alors on aurait pu faire un décodeur via les interruptions et l'autre via le module. C'est pas le choix qu'on a fait, on est parti tout en interruption. Ça fonctionne au top pour avoir testé pendant le confinement, là justement en réécrivant le code. Donc j'ai mis le générateur de signaux sur les deux entrées, j'ai balancé 10 kHz de chaque côté sur les quatre signaux. Donc ça fait l'équivalent d'un robot qui roule à 1,5 mètres par seconde. Enfin, sur les deux entrées, j'ai fait aller pendant je sais plus combien, 1 heure ou 2. Et il n'y a pas à louper un seul pas. Donc là-dessus, on était assez large. Voilà. Donc on va avoir deux sorties tout ou rien. Enfin, j'ai mis 16 volts, mais en fait, c'est la tension de la Attention batterie, batterie, oui. hein. Donc 1 ampère 8, ça pouvait servir pour alimenter des pompes à vide, par exemple. Il y a une année, on l'a utilisé aussi pour. Il y avait un truc à gonfler, une espèce de ballon à gonfler, donc on le gonflait avec un ventilateur. Bah, simplement, c'était de mettre en route le ventilateur. Ça peut être juste un autre moteur à courant continu qui n'a pas besoin d'être piloté, puisqu'il tourne, voilà. Donc en marche arrêt. On a aussi donc quatre entrées analogiques qui nous servaient donc à mesurer donc les tensions en dehors de la tension batterie, hein, donc les tensions pour des capteurs de distance infrarouge par exemple, et qui sont alimentées aussi en 5 volts. Donc le retour se fait via un petit diviseur de tension pour rester dans la gamme du 3,3 volts pour être sûr, et un petit filtrage passe-bas résistance condensateur, hein, tout simplement. Donc ça servait pour un petit capteur de distance pour détecter s'il y avait quelque chose devant. Donc en 2014, on s'en est servi pour l'évitement, simplement. Les autres années, pour détecter si le robot avait pris des éléments, voilà, savoir s'il y avait quelque chose dans une pince, par exemple. On l'a pas utilisé pour plus de précision. On avait commencé à tester pour faire du recalage le long de la bordure, en fait. Donc en mesurant plein de points quand le robot passe le long de la bordure, et faire une régression linéaire pour essayer de faire du recalage. On s'est arrêté juste après. J'ai pas de résultat à dire si ça marche ou ça marche pas. D'accord. On n'a pas approfondi le sujet. Voilà. On a aussi donc une alimentation réglable donc, qui se fait autour des 5 volts, 5-6 volts, avec, donc une puissance de 3 ampères, donc qui sert à alimenter les servos.
Et aussi, on va pouvoir donc piloter 6 cerveaux de type, cerveau type modélisme, hein, tout simplement. Donc, bah, pour des actionneurs, pour faire aller une pince, un bras, tout ce qu'on veut. Donc, il y en avait 6 total et qui sont alimentés sur la carte. Alors, tu m'avais posé la question qu'on avait discuté, Barba, 3 ampères, est-ce que c'est pas un peu juste? Bah oui, effectivement, c'est pas énorme. Pour 6 cerveaux, 3 ampères, c'est pas des masses. Sur un gros robot, on avait mis donc deux cartes comme ça. On n'a eu aucun problème. Hein. C'était donc sur 2015 où on attrapait des rondins de, enfin bah, des rondins, des cylindres en bois qu'on serrait avec ces cerveaux-là. On s'était arrangé pour qu'en position serrée, le cerveau soit en verrouillage mécanique, donc que les bielles soient liées avec l'axe du cerveau. Le fait qu'il n'y ait plus aucun effort sur le cerveau, donc il n'y a vraiment que pendant une courte durée. Et on avait réparti aussi les cerveaux qui allaient avoir le plus de puissance sur plusieurs cartes. Le but, bah, c'était de ne pas tout charger sur une seule carte. On allait avoir un cerveau qui tirait fort et d'autres cerveaux qui consommaient presque pas grand-chose. Et sur la deuxième carte, bah, le deuxième cerveau du deuxième bras qui consommait beaucoup et d'autres cerveaux qui consommaient peu aussi. Ouais, c'est vrai qu'en répartissant et en faisant attention mécaniquement à ce que tes cerveaux ils soient jamais surutilisés, voilà, tu montais pas à ces niveaux de courant et donc du coup ça suffisait largement pour ton utilisation au final. Et on a eu aucun problème, que ce soit des années, enfin 2014 ou 2015, on a eu enfin, aucune alimentation qui soit mise en coupure. Ok. Donc ça c'est fait. On a la même chose qui est dupliquée pour des cerveaux type AX12. Donc alimentation réglable aussi, hein, on va être sur la photo. Donc là qui était à régler à 12 volts à peu près. Et on a le pilotage pour 12, pour 4 cerveaux type AX12 ou AX18. Alors, vous me dire pourquoi 4? Bah, c'est juste pour limiter la puissance qu'il y a à consommer. Si on avait besoin de plus, bah, on la répartissait sur une autre carte. Voilà. Déjà 6 cerveaux et 4 AX12, si on n'est que sur une seule carte dans un petit robot, ça fait déjà pas mal Ouais, d'actionneurs. tu fais des choses. Enfin, mettez une deuxième carte sur un gros robot, on fait déjà 12, 12 et 6, enfin 12, 12 cerveaux. Modélisme et 8 à X12, on est large. On pouvait tout à fait continuer d'étendre avec une troisième ou une quatrième carte si vraiment on avait besoin d'actionnaires. Donc voilà. C'est pour ça qu'on n'est pas parti sur une grosse alimentation décentrée et super puissante parce qu'en fait on voulait quelque chose, bah, des petits modules qu'on allait dupliquer. Voilà. On a aussi un certain nombre d'entrées, enfin d'entrées peuvent être utilisées en sortie aussi tout ou rien. Et sur le connecteur, on a une alimentation 3 V 3. Les AX12, tu peux les relier entre eux en plus. Oui, bah c'est le but. On en avait 4 qui sont chaînés. Et sur une autre carte, on en avait 4 à nouveau chaînés aussi. Mais là, l'idée, Voilà. c'est plus d'un point de vue alimentation. C'est-à-dire que si tu les chaînes, si tu en les chaînes 8, là, le problème, c'est que l'alimentation, elle suit plus, quoi. Là, du coup, c'était pour répartir les tensions sur les deux cartes, quoi, si jamais tu voulais en mettre plus que 4. Oui, voilà. C'est uniquement pour l'alimentation qu'on s'était limité à 4. Ouais. Donc, bah, les entrées tout ou rien, bah, servaient pour des capteurs de fin de course. Hein. Détecter que quelque chose rentre dans la pince, voilà, pour initialiser un bras, donc un moteur avec un codeur qui monte et qui descend. Donc, l'ascenseur, un peu comme tu as voulu le faire dans un de tes lives, Ouais. Barba. Là, on avait un petit contacteur en fin de course. On a détecté sa position. Voilà, donc il y en a 4 autres encore comme ça, donc en entrée ou en sortie, donc avec une alimentation 3 V 3 et 18. Alors j'ai mis 18, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un coup 16, un coup 18. Et attention, batterie aussi qui ressort là. L'idée c'était pouvoir alimenter bah, quelque chose d'autre et de ressortir. Enfin, c'était une fenêtre ouverte sur quelque chose de différent qu'on n'avait pas utilisé. C'est même pas, enfin, voilà. On voit sur la photo, ils sont à côté des potentiomètres bleus, voilà, ils sont même pas câblés, ils sont même pas soudés. On avait de la marge. À côté de ça, donc, on avait deux petits boutons, pareil sur la carte, montage en surface, bah, soit pour du debug, pour essayer de rentrer, forcer l'entrée dans une fonction, ou alors pour un bootloader, qu'on n'a pas utilisé non plus, ils sont même pas soudés. Ils avaient soudé sur une des cartes, quand j'avais fait des essais de bootloader.
Voilà, un petit switch de reset, toujours pratique. Les quatre switches d'adresse. Alors sur la photo qui est là, il n'y en a que deux. C'est une erreur de câblage, donc c'est les deux petits boutons rouges sur le côté sur la gauche de la photo. Les quatre autres sont présents, on les voit juste en dessous sur la carte. Il y a juste une erreur de câblage où en fait j'ai pris des entrées sur le microcontrôleur qui n'avaient pas de pull-up interne Ah. microcontrôleur. Donc erreur de lecture de datasheet et ben forcément ben, j'avais pas prévu de résistance externe pour ces deux entrées-là. Donc ben, ça fonctionnait pas, hein, ça reste toujours un état incertain parce que pas de pull-up nulle part. Le circuit a été corrigé, hein, celui qu'on mettra à disposition est corrigé avec deux pull-up supplémentaires. Bon, ça, quand même, ça te permet quand même d'adresser quelques cartes avec deux switches Ah. d'adresse. Donc bon, Avec deux switches, on est déjà sur quatre ouais. cartes. C'est déjà plus que généreux. En utilisant le même code, on aurait pu tout à fait dire, ben voilà, on continue d'étendre en modifiant un peu le code pour prendre en compte c'est un offset dans les adresses, par exemple. Ça, c'était tout à fait faisable. Mais voilà. Mais déjà, avec quatre cartes, on Oui. est large. Donc, on a donc le port de communication RS-485. On a un port I2C aussi. Donc, c'était là où on avait branché des télémètres ultrasons en 2014 pour faire continuer enfin, l'hébétement en plus de l'infrarouge. D'accord. Et il aurait pu aussi nous servir en backup si on est embêté avec le RS-485. Donc sur la carte donc en communication avec l'I2C de la carte IA. Donc passer tout le bus au lieu du RS-485, le passer sur un I2C si on est embêté. Ce qu'on n'a pas fait. Ça a bien fonctionné. On a aussi un autre port URT pour du debug. Là aussi on avait prévu large. Une petite épreuve I2C qui servait à rien, qui n'avait pas été montée non plus. On a mis plein de trucs qui ont pas servi à rien. Deux pins de debug, donc là c'est pareil, bah, c'est pour brancher sur un oscillo, sur un analyseur logique. Après j'ai utilisé pendant le confinement pour tester pour optimiser du code. Bah, simplement je mettais une pin à 1 et jamais été à 0 quand ma fonction était finie. Pour voir bah, combien de temps ça prenait, essayer d'optimiser les codes. Au niveau de la communication, pareil, entre les deux cartes, qui met un message sur une des deux cartes, bah, mettez sa pin en haut, quand l'autre la recevait, la mettait en bas, et sur l'analyseur, combien de temps ça avait pris. C'est bien pratique. On a trois petites LED, pardon, montées en surface bah, pour faire de la LED d'état, hein, simplement. Une qui clignote en continu, qui nous fait un petit battement de cœur pour savoir qu'elle est toujours en vie. Et puis les autres, bah, pour afficher des messages d'erreur, hein, simplement. Donc on l'utilisait juste en tout ou rien. J'avais pensé à un moment de les afficher, enfin les faire clignoter pour afficher un code, en fonction du nombre de clignotements, voilà, pour afficher des valeurs ou des codes d'erreur. À la place de l'écran, hein, on va remplacer l'écran par des LED. Et puis bah, des petites LED d'alimentation, de présence de tension, donc présence de l'alimentation de puissance, présence du 5 volts, du 3 volts 3. On a une petite LED pour indiquer l'alimentation des servos et des AEC2 aussi. Et pareil, donc le petit connecteur de programmation qui va bien. Donc le format, la carte, elle fait 7 cm sur 10. C'est pas ce qu'il y a de plus compact, mais dans le sens où si vous mettez que ça dans un petit robot, vous la mettez à l'envers au plafond du petit robot, ça vous laisse toute la place et le robot est tout à fait fonctionnel. Il y a trop de fixation, c'est important. Oui, dans le sens, je l'ai pas mis là, mais il y a aussi la mesure de tension de la batterie qui est faite. Donc en gros, vous avez la protection pour les lipos via la tension via la mesure de batterie pour une sécurité. Les entrées tout ou rien qui peuvent servir ben, pour un switch de choix de couleur de terrain, pour le système de démarrage. Bon, j'irai pas jusqu'à l'arrêt d'urgence parce que du coup, ça passerait par du soft. C'est faisable, mais c'est quand même un peu tendu. Et de quoi déplacer le robot,
donc les moteurs qu'on continue avec les retours codeurs, et des actionneurs, des capteurs en entrée sortie, de quoi faire de l'évitement, soit par infrarouge, soit par télémètre ultrason en I2C ou autre. Voilà, donc la carte est tout à fait fonctionnelle toute seule. Donc là, pareil, même environnement de développement, même code, utilisation donc d'un OS temps réel multitâche. Pareil, on y reviendra après. Et la carte donc qui est potentiellement autonome dans un robot. Voilà. Bon, je vais passer assez rapidement. Là, c'est le détail un peu schématisé de ce que je viens de dire. Donc la partie puissance, déplacement du robot, donc les ponts en H et les entrées codeurs, l'alimentation et le pilotage de cerveau. Modélisme, même chose avec des AX12. De tout ou rien, j'ai mis un petit dessin d'un relais, hein, c'est pareil, mon relais statique. Des mesures analogiques, donc on en a 6. Des entrées tout ou rien, on en a 6, plus 4 autres. Les petites LED d'état. Des entrées tout ou rien, donc elles sont là avec les pins de debug. Les adresses, on pouvait aller donc jusqu'à 4 adresses, enfin 4 entrées d'adresse, donc ça fait 16 cartes. On est là, je fais deux petits interrupteurs sur la carte. Le bus I2C avec sa petite EEPROM. Un bus URT de debug, l'URS485. Et l'alimentation qui est fait en board, donc 3 volts 3, 5 volts. Et le contrôle de tension batterie. Voilà, donc voilà ce qui se passe sur la carte. Un peu, donc, j'étais obligé de mettre deux photos tellement il y a de la connexion et la fonctionnalité. Voilà, on ne va pas trop s'attarder dessus, hein, ça répète exactement ce que j'ai à dire déjà deux fois, non, donc. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le document, vous pourrez l'avoir à la fin, il n'y a aucun souci, on donnera le lien du document. Bon, donc là, les photos de la carte, donc du dessus avec les connecteurs, et dessus, dessous, sans rien, avec le petit schéma de routage. Donc je vous disais au début là, donc les histoires de plans de masse. On va prendre par exemple sur l'image qui est tout à droite. Donc c'est le bottom de la carte où on voit bien donc le rectangle en bas à droite. Donc c'est le plan de masse bottom de la partie puissance des Ah, faut que moteurs. tu remettes la photo là, on la voit pas, on voit le. J'ai pas switché. Pourquoi il switch Ouais, c'est Skype? bizarre, hein. Ouais. Alors on passe à la Alors, suite là. ah oui, il n'aime pas Ouais, c'est cette. très bizarre. Là, Ouais, moi on est bon là. bon, j'ai essayé de pas trop bouger. Et voilà. Donc, on a juste un retour qui se fait juste sur le connecteur de masse de la batterie. Et on va voir aussi donc les retours des autres masses. Donc, celle qui vient un peu plus à gauche, donc les cerveaux. Dans le milieu, c'est les deux tout ou rien 18 volts et la plus fine, donc c'est le retour de masse de l'électronique. Et le but, c'est que bah, toutes ces masses-là n'aient que comme point commun, le seul point commun, le retour à la batterie. Donc le plus tard possible en direction de la batterie pour éviter de remonter de parasites vers l'électronique. Et on a la même chose un peu sur le top, donc qui est en rouge à gauche. On va pareil, donc les plans de masse qui sont découpés, qui ne se touchent pas. Et qui vont juste avoir comme point commun la masse de batterie. Donc, comme si on voulait drainer un peu tout ce qui se passe, tous les parasites, et les aspirer vers la masse de batterie, sans que ça puisse se balader dans l'électronique. Ça Donc fait ça, sens. c'est ce qu'on a appris suite à bah, des déboires avec d'autres versions de cartes préalables, où ça ne se passait pas aussi bien, on n'avait pas fait attention à ça. Après, tu as beaucoup de choses différentes en fait sur cette carte. Ça explique aussi enfin, ce choix-là, quoi. Tu as de la puissance, tu as de la logique, tu as des fréquences qui sont pas les mêmes partout. Donc forcément, voilà, il te faut ça pour que ça fonctionne correctement. Ah oui, je pense qu'après, bon, les experts sur le chat ou en électronique, ils trouveront à redire. Voilà, bon, c'était pas ma formation. J'ai appris via plusieurs itérations de cartes et de mes erreurs. Ça fonctionnait très bien. Il n'y a pas 36 000 protections à part un fusible. Il n'y a pas de LED
anti-champs électromagnétiques ou parasites, voilà. Mais ça a fonctionné 2 années, puisqu'encore là, ça fonctionne encore très bien. On s'était mis aussi dans l'idée qu'on fait un robot pour participer à la coupe. On ne part pas sur Mars. Il faut rester un peu réaliste en fonction de nos connaissances qu'on avait en électronique. Donc pas du tout ma formation, j'ai une formation de mécano. Voilà. Je pense qu'on peut être plutôt content de ce qu'on avait fait. Tout à fait. Les petits plus, les petits moins. Les plus, bah, pareil, même microcontrôleur, donc une puissance de calcul et une vitesse qui est tout à fait rendez-vous, hein, dans le sens où on pouvait tout à fait gérer les codeurs en interruption et aussi bah, travailler avec plusieurs PID en cascade. Donc pour gérer l'asservissement, le pilotage des cerveaux des AXOS, on va aller les écrire et les lire à intervalles réguliers. Que je lis à intervalles réguliers parce que j'ai plus la valeur en tête. Et pour remonter toutes ces infos, bah pareil, à la carte IA qui sait en permanence chaque cerveau, chaque AX12, donc leur position, mais aussi le couple sur les AX12, pour détecter s'il y a quelque chose qui force ou quelque chose, voilà. La position du robot, la carte peut être utilisée pour piloter, alors pas forcément pour déplacer le robot, mais pour en carte auxiliaire dans un robot pour déplacer bah, d'autres moteurs, donc typiquement des ascenseurs. Donc c'est pareil, à la place des moteurs de déplacement, on branche deux moteurs d'ascenseur ou d'autre chose avec les codeurs et même bah, pareil. Il suffit d'envoyer un message à la carte et lui dire bah, tu n'utilises pas ton asservissement en déplacement, mais c'est deux asservissements séparés, donc soit en vitesse position, comme on veut, pour piloter deux ascenseurs indépendamment. Et ça fonctionne, on l'avait fait en 2015 avec l'ascenseur qui était à l'arrière du robot. La carte gérait l'ascenseur, on disait bah, à telle position, comme si c'était une position du robot. C'est tout à fait transparent. D'autres avantages, bah, c'est le format compact de la carte. On peut faire plus petit, hein, mais pour tout ce qui est dessus, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et le fait qu'elle soit autonome, ça c'était un gros plus. Le design commun, ben, le fait de pouvoir répéter une même carte, d'avoir le même code, même si dans un robot on utilisait 4 fois la carte, ben, il y avait 4 fois exactement le même code. Il n'y avait même pas une seule variable ou quoi que ce soit à changer pour l'adresse, c'était le petit switch dessus qui faisait la différence. Donc ça permet en cas d'update ben, de pas se prendre la tête et d'updater toutes les cartes. On voulait le faire et on l'a pas fait, ce sera peut-être ce que je ferai dans les semaines, les mois à venir, c'est de mettre un bootloader dessus et de pouvoir faire cet update via le bus. Donc simplement connecter le PC sur le bus RS485 et de balancer le code. Donc c'est un peu ce que l'on fait au CDRA avec sur leur bus CAN où ils ont le bootloader et qui font leur update comme ça. Que de ne pas forcément aller voir se contorsionner dans le robot pour connecter le programmateur sur la carte. Voilà. Donc ça c'était pour les plus. Les défauts qu'on a constatés, bah, c'était les deux pull-up dont je parlais tout à l'heure hein, pour les bits d'adresse. Bon, ça nous a pas handicapés parce qu'on avait encore hein, les deux autres entrées, donc on était sans trop de difficultés. On pouvait aller jusqu'à 4 cartes, on n'a pas utilisé, on n'a utilisé que deux. Un regret que j'ai eu sur le microcontrôleur, donc il y a une sortie, enfin 6 sorties sur un module PWM, donc qui est en transparente, qu'on avait utilisé pour piloter, envoyer des signaux pour les cerveaux. Par contre, pour les modeurs, on pensait utiliser donc les sorties timer, qui me semblaient tout à fait opportunes à ça. Dans la réalité, on n'a pas réussi à l'utiliser en tant que tel. Enfin, si, ça fonctionne, mais il a fallu bidouiller un peu. Il faut rentrer dans une interruption, enfin, à chaque fin de signal, rentrer dans une interruption pour forcer enfin, les sorties à revenir à 1. Donc, le microcontrôleur, le module, les met à 0 lorsqu'il faut, lorsque le compteur est arrivé à la valeur. Donc, ça fonctionne. Par contre, il ne remet pas à 1 tout seul. D'accord. Donc, il faut le dans le code. Je soupçonne un bug de chez NXP. Hein. Parce que c'est quand même assez étrange cette fonctionnalité-là. En fait, il peut le faire dans un sens, donc soit les mettre à 0 et pas les remettre à 1, ou les mettre à 1 et pas les remettre à 0.
Et il fait pas les deux. Et pourtant, dans la doc, ça parle de. Ça parle que c'est fonctionnel. Alors, soit je l'ai vraiment mal utilisé. Toi, je m'y suis... Donc, j'avais fait à l'époque. Là, je m'y suis remis en lisant la doc, en essayant, en reprenant des modules, des codes d'exemple. Et j'ai pas retrouvé. J'ai pas réussi à refaire le fonctionnement correct. Ou alors, ça fonctionne, mais ça fait deux signaux avec un rapport cyclique à 50%. Oui, voilà. Ouais. Et ça ne sert à rien. Enfin, dans l'usage qu'on voulait en faire, du moins. Donc, bon, ça ne prend pas énormément de temps, mais c'est toujours du temps CPU qui est utilisé à 15 kHz à rentrer en interruption pour aller remettre deux sorties du microcontrôleur à 1. Ouais, C'est c'est du temps que. qui est perdu en plus tout le temps de match pour faire un truc qui est finalement un patch, quoi. Donc c'est moyennement intéressant, quoi, au final. Ok. Fonctionne, voilà, j'ai mis le silo dessus, on a les silos, ça marche très bien. Voilà, 10 questions sur cette carte-là, avant qu'on passe, après je passe qu'on de tête, après c'est plus du code. Après, c'est plus du code, non. Après, c'est le firmware. Mais on pourra forcément répondre à des questions sur la partie ELEC, hein, s'il y en a qui arrivent après. On va continuer Bah écoute, alors. ouais. S'il y a des questions, qu'il y en y Il n'y a pas de répondra. souci. Donc, le firmware. OS, temps réel, multitâche, préemptif. Un gros mot. Ah, et le robot entier. Alors, je sais pas ce que... Qu'est-ce que tu veux dire, Roger, par le robot entier? Il va préciser sa question. Alors sur la réalisation de la carte, le boulot de soudure, tu l'as fait à la main du coup? Alors les cartes, le routage a été fait enfin, perso, on les a fait graver chez SID, et par contre la soudure est faite à la main, oui. Le robot, dire, oui, on peut le voir. Alors j'ai pas le gros robot parce que lui le gros il est dans un état assez pitoyable. Alors ouais, en fait, au début du live, enfin pendant 1 heure là avant le live, et ça n'a pas empêché les problèmes techniques, mais on a essayé de mettre en place une deuxième caméra. Sauf que avec Skype et le choix qu'on a fait, on n'avait pas la possibilité d'avoir les deux caméras. Donc pour vous montrer à la fois le robot et les cartes. Donc c'est un petit peu, c'était un petit peu compliqué. Donc là, le robot est à côté. Il arrive. Oui, donc là, le robot est à côté. Donc c'est petit. C'est celui que vous avez vu dans la vidéo de présentation donc sur la calibration de Je vais l'asservissement changer la webcam. chez. Ça, tu peux. Voilà. Ouais, et en grand. Alors, ça peut être évident parce que moi, du coup, je ne vois pas ce que je filme. Ouais, C'est donc très voilà bien. le petit robot de 2015. Donc sur le dessus, oui, ben voilà, on va être l'occasion de décrire un peu. Donc sur le dessus du robot, donc on a bah forcément cette petite balise, son arrêt d'urgence, côté je crois, le switch bon, de marche arrêt hein, tout simplement, le petit potard, donc je vous parlais tout à l'heure pour le choix de Ouais, stratégie on qui voit fait le choix. l'écran sur le... Voilà, donc bon il est blanc sur blanc en blanc, mais voilà donc c'est tout bête, hein, c'est juste un potentiomètre et on mettait la petite flèche, donc le tout était imprimé en 3D, la petite flèche devant le numéro de la stratégie qu'on voulait faire. Pas chercher midi à 14h. Les trois LED non d'état, donc qui viennent de la carte IA, donc qui vont servir bah, par exemple à afficher la tension batterie, faire clignoter en fonction du fonctionnement du robot, s'il rencontre une erreur, voilà, ou alors un libre d'usage lors de la création de la stratégie pour dire afficher une LED lorsqu'il a pris telle ou telle décision. Puis après bah, les petits boutons de choix de couleur du match, le petit trou pour mettre le jack de départ de match et la couleur du côté du terrain. Et donc un connecteur donc, qui lui servait au debug. Donc on va avoir le port USB. Bon, c'est pas évident, Ça, en on plus le on voit. sait Ouais, un le peu port fort. USB, on le voit. Voilà, donc un port USB et un port type Ethernet, donc c'est une prise Ethernet, D'accord. mais c'est RS-485 qui passe par là. Ok. Bon, en fait, voilà, c'est un choix qu'on a fait au niveau connectique, ça permettait bah, simplement d'avoir un câble Ethernet
entre le PC. Alors, un pas branché sur la prise Ethernet du PC. Et entre la petite carte d'interface du PC et le robot, bah, un câble Ethernet de 1 mètre, enfin 1,50 m pour si le robot est juste à côté, ou de 5 mètres lorsque le robot était sur la table au grenier, entre le PC à côté, il monte jusqu'au plafond et il redescend pour avoir de la mobilité. Voilà. En plus du RS485, bah, c'est fait pour de la communication à longue distance. Donc il s'en fiche de la longueur du câble Ethernet. La connectique est facile, assez simple. Ouais, et puis tout le monde a des câbles RJ45 de plus ou moins grande longueur, donc c'est même, enfin c'est pas un câble spécifique quoi, donc même quand tu le perds ou quand tu l'as pas à côté de toi, c'est très facile de pouvoir en retrouver un quoi. Même à la coupe, t'es embêté, j'ai perdu mon câble, je sais pas où il est, bah, tu trouves Ouais. forcément une équipe qui a un câble. Et on était même allé sur donc le connecteur RJ45 qui est côté robot, à casser la petite pine de verrouillage. À force de le. Des mauvais contacts, oui, sauf que si jamais ça force sur le câble, bah, le câble sort du connecteur et il se passe Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, ça c'est malin ça. D'accord, ok. plutôt que de tout arracher, et ben en fait le câble se débranche. Alors vous perdez un peu la communication, mais il n'y a pas de dégâts. Ouais, voilà, c'est pas trop de Et risque. je pense que ah, donc l'intérieur du robot. Ah, donc on voit bien la carte. Voilà, donc on voit bien donc la carte multifonction donc, qui se trouve dans le fond. Et sur le côté, alors que quel côté, voilà, donc la carte IA. Donc IA. C'était en 2015, donc là on était parti sur les deux robots, même architecture, donc carte multifonction plus carte IA. Pour le simple fait bah, de la communication entre les deux robots, la carte IA nous permettait via le RS, via le XB, à faire communiquer les deux robots entre eux, et bah, pour partager des infos sur la stratégie, pour partager du debug, leurs positions respectives pour s'éviter, on passe les meilleurs. En sachant qu'en 2014, on s'était passé de la carte IA, on avait qu'une seule que la carte multifonction dans le petit robot. Et voilà. Et un peu côté méca, alors j'hésite entre bouger le robot ou bouger le cam, j'ai peur de vous rendre malade. Non, toi tu restes là. Voilà, un peu vite fait sur la méca, c'était pas le thème du live. Hein. Non, mais je pense que ça les intéresse aussi. Là, il y a Roger Chine qui dit beau bébé. Donc, Ouais, ils font quoi en plus avec Bah les petites on voit cases? que tu voilà, t'essaies de le maintenir, mais qu'il peut basculer. Truc qui dit bah, la batterie tenait pas dedans parce que c'est pas la bonne, j'ai plus les bonnes batteries, enfin plein de choses. Donc on a nos deux codeurs, donc de chaque côté. Et en fait, pour gagner de la place, ce qu'on avait fait, c'était que les roues motrices sont creuses et le codeur rentre à Ah oui, l'intérieur je vois de ça, la mais roue. c'est génial ça. Alors j'essaye avec le lag parce que du coup je vois pas ce que je filme. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors du coup, j'ai une question, parce que effectivement, c'est pas le sujet du live, mais c'est quand même intéressant. J'arrive pas à savoir si le code, la roue de la roue, la roue codeuse et tes roues, ce sont de l'usiné ou si c'est de l'impression 3D. Ou du moulé. J'hésite. Les roues codées sont imprimées Ouais. 3D avec un petit O-ring Ouais, autour. ok. Voilà, du coup, on voit pas mal comme ça. Ouais. Et par contre, la roue motrice, elle, c'est un tube d'acier D'accord. qui est usiné. Et voilà, avec donc qui était creux, on a soudé un flasque au bout pour le Ouais. fermer. Un axe donc qui sert d'axe de transmission de la puissance, tout simplement. Et du fait que la roue soit creuse, bon, en fait, on a pu venir rentrer le codeur à l'intérieur pour gagner de la place. Ok, et c'est quoi ta surface pour le pneu du coup? Alors ça, c'était des tapis, des trucs en silicone alimentaires Ouais. pour mettre dans les fonds enfin les plaques mettre au four et des trucs comme ça. C'était pas hein, une astuce de RCVA ça? Il me semble qu'ils en avaient parlé sur le forum à une époque, il y a très longtemps. Voilà. Et Ça donc c'est pas mal ça. la transmission se fait par courroie, où en fait les deux moteurs sont montés tête bêche l'un au-dessus de l'autre, enfin d'un côté de l'autre plutôt, avec une petite poulie, voilà, une courroie, et il y a une grande poulie donc on va par en dessous, qui est vissée directement dans le flanc dans la flasque de la roue motrice. Je ne sais pas si on Ah ouais, voit, hein, on je dis voit, par ouais. là.
T'as le retour plus direct que moi Ouais, non, sur c'est très Twitch. bien, t'inquiète pas, on comprend le. La courroie qui est belle. Voilà. Et en fait, la partie motrice, donc les paliers, la fixation des moteurs, les roues, les codeurs, les paliers du codeur, sont deux, enfin, un droite, un gauche, deux blocs fonctionnels qui tiennent par trois vis sur le châssis. Et on a la même chose sur le gros robot, exactement. D'accord. Quand tu dis t'as la même chose, c'est exactement le même système mécanique? C'est du duple. Exact. Ah oui, c'est copier-coller du système mécanique D'accord. sur les petits et les gros robots. Et bah, l'idée, c'était là aussi de faire quelque chose de réutilisable. Donc en fait, il y a trois vis côté droit, trois vis côté gauche. Et d'une année à l'autre, on prenait bah, la plaque qui allait nous servir de châssis aux dimensions, à la forme qu'on avait besoin. On faisait donc six trous, plus les encoches, plus les avec les roues. On venait mettre les six vis pour tenir les blocs et le robot fonctionnait et roulait. D'accord, ok. Ça, c'était notre les contraintes entre guillemets qu'on s'était fixées pour gagner du temps et être le plus réutilisable possible. Donc on passait voilà, il y avait six trous à faire et ça fonctionnait. Ok, super. Super. Bah, merci pour cette présentation mécanique Voilà, donc j'espère que improvisée. Roger sera à ta question tu voulais voir le robot. C'est pas le gros, c'est que le petit, mais le gros n'est pas présentable. Il est sur la C'est table fait. d'opération là. Ah, il s'est un peu cannibalisé. Ah ouais, là, non, là, il est à la mort. Ah oui, carrément, donc on l'oublie complètement quoi. La méca est toujours là, mais il n'y a plus aucun carter, c'est un peu désossé, c'est pas présentable. Ok. Voilà, mais de rien. Bah, peut-être on va retourner à nos moutons sur Ouais, le ça marche, j'ai firmware. changé d'écran, donc quand tu veux. Vas-y, vas-y. Donc, je disais, le fonctionnement du robot, que ce soit sur la carte IA ou carte multifonction, donc est basé sur un OS temporel multitâche préemptif, donc en l'occurrence FreeRTOS. Donc, c'est un gros mot pour dire du multi-boucle parallèle. Donc, quand vous faites un programme, par exemple, sur Arduino, vous avez une fonction qui s'appelle loop, i qui va tourner sur elle-même. Ben là, il y en a plusieurs en parallèle et qui vont pouvoir ben, s'échanger des messages les unes entre les autres avec des niveaux de priorité, s'attendre, se mettre des tempos et c'est toujours celle qui a la priorité la plus importante qui va fonctionner. Donc, j'explique un peu après comment ça fonctionne. C'est moi ou c'est toi, voilà. Oui, non, t'inquiète pas. C'est de mon côté, mais il n'y a pas d'autre problème technique. Donc on était parti, bah, comme on l'a dit, donc je vais pas tout, forcément encore tout répéter, donc sur une informatique multicarte, un peu en fonction de répartition des tâches, et avec une communication RS-485. Donc le tout était synchronisé via FreeRTOS, donc pour créer plusieurs tâches. Donc bah, je vous laisse voir sur YouTube, il y a énormément de tutos. En sachant que j'ai regardé, ça existe aussi sur Teamsy et sur Arduino. Franchement, ça a l'air plutôt propre ce qu'ils ont fait. Et bah, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vais vous montrer un peu après si ça vous intéresse bah, via le Discord. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, bah, je serai ravi d'y répondre. Mais je pense que ça peut répondre à. Alors, c'est un peu compliqué au début à mettre en œuvre, mais une fois que c'y est fait, on revient pas en arrière. Moi, je reviendrai pas. Bah justement, c'est vrai que quand tu m'en avais parlé pendant la préparation, je m'y suis un petit peu intéressé. Et effectivement, il y a un portage qui a été fait sur Teensy, a priori. Et oui, j'ai bien envie de regarder aussi de mon côté parce que ça a l'air vraiment très très chouette comme système pour le coup. Et quand tu m'as dit qu'effectivement tu reviendrais plus en arrière, ça m'a mis la puce à l'oreille, donc j'ai dit qu'il faudrait que je regarde. Voilà, donc là on va partir un peu sur l'aspect communication, donc ce qui se passe entre les cartes et à l'intérieur des cartes, donc des microcontrôleurs, donc sur les couches logicielles. Voilà, donc on essaie de répartir le tout en couches. Alors on n'est pas les seuls, hein, non, c'est comme ça que ça se fait. La référence qu'on s'est appelée le niveau 0, donc c'est le plus bas niveau, directement les drivers, le pilotage des drivers.
Au-dessus, on va avoir un buffer sous forme d'octets. Donc peu importe le contenu, en fait, ils sont juste des octets. Donc ils vont être échangés dans un sens ou dans l'autre avec le driver. Donc voilà, ça c'est notre niveau 0. Le niveau 1, c'est ce qu'on a appelé des trames. Donc c'est un ensemble d'octets, mais qui va commencer à avoir un sens dans l'ordre où ils vont être échangés. Donc on va avoir dedans bah, l'adresse, un type d'instruction et des données concrètes. Voilà, et qui vont s'échanger à ce niveau-là via des buffers tournants dans le logiciel. Et le niveau 2, bah, ce sont des messages. Donc c'est pareil. Donc ce sont des trames qui vont être prises et qui vont être interprétées à un haut niveau. Donc l'adresse, à la limite, on s'en fiche puisqu'on l'a déjà reçue. Mais c'est quel type de message? Et ensuite, le contenu du message. Donc, le contenu du message, ça peut être une destination du robot, une instruction pour un déplacement d'un actionneur. Hein. Je pense qu'on fait tous à peu près des choses similaires. Voilà. Et donc là, c'est là où on arrive sur FreeRTOS, c'est qu'ils vont être échangés sous forme de queue. Donc, en fait, c'est un buffer tampon à l'intérieur de l'OS temps réel. Donc, en gros, une tâche qui a besoin d'envoyer, par exemple, une tâche qui veut déplacer un actionneur, qui veut déplacer un bras. Elle va créer un message qui va dire bah, bouge le bras, enfin le cerveau numéro autant à telle position. Et elle va passer ce message dans sa queue, cette FIFO. Et ensuite, elle va se remettre en sleep, elle va attendre que ça se passe. Et il y a une autre tâche qui est là, qui va faire la communication et qui écoute cette FIFO et qui va prendre le message donc, qui est reçu. Elle se fiche du contenu, va prendre le message donc, qui est un message à haut niveau. Elle va le transformer en un. Donc on redescend là dans la couche. Elle va le transformer en une trame où on va lui rajouter un petit peu des informations, quelle adresse de la carte, le checksum pour faire le contrôle, la longueur du message, des infos un peu plus utiles. Elle va le transformer en un tableau d'octets en mémoire. Elle va passer ce tableau à la couche 0, qui va les récupérer chaque octet. Et qui va les envoyer sur le driver, sur le bus. Et de l'autre côté, bah, la carte qui reçoit le message, bah, le driver va recevoir les octets les uns derrière les autres, les retransformer en trame un peu plus concrète, sans forcément savoir ce qui est le contenu, hein. Vérifier sa cohérence, donc vérifier le checksum pour voir si le message reçu est correct, vérifier l'adresse. Simplement si le message est adressé à cette carte-là ou pas, pour savoir quoi en faire. Et puis ensuite, bah, le remettre dans une queue d'interprétation. Et la tâche, à son tour, bah, donc la tâche qui vient de recevoir ce message se remet en sleep. Et c'est une autre tâche de stratégie ou de pilotage des actionneurs qui va recevoir le message de queue, qui dit, tiens, on me demande de déplacer un actionneur à telle position. Bah, j'envoie mon signal, donc soit sur une pin PWM pour un cerveau classique ou via la communication série pour les AX12. Et le tout se passe en parallèle. Donc on va avoir la tâche d'interprétation, enfin de réception d'un message. Donc c'est une boucle infinie. Donc les tâches dans FreeRTOS, ce sont des boucles infinies. Hein. Et donc elle va attendre de recevoir un flag. Et à partir du moment où, donc ça c'est, je suis dans le milieu, donc au moment où elle attend de recevoir son flag, il ne se passe plus rien, cette tâche-là. Elle n'occupe plus aucun temps de CPU. Elle est juste en attente. Donc c'est l'OS qui va gérer. Et à droite, on a donc la tâche de plus haut Alors niveau attends, par contre, qui est. alors on remet l'image d'après parce que du coup on est encore sur la commission. Ouais, voilà. Ouais, nickel. C'est bizarre quand je change de salle, il n'y a Ouais, rien je sais pas derrière. ce qui se passe, mais c'est effectivement très très étrange. Désolé, du coup. Non, non, mais. Voilà. Et donc, tout à droite, on a la tâche donc, de plus haut niveau, qui elle aussi est une boucle infinie, et qui se met aussi dans l'attente de recevoir un message. Et à partir de là, il ne se passe plus rien. Le CPU enfin, ne travaille pas sur l'aspect communication, il n'y a aucun temps qui est utilisé. Et il va aller se mettre en idle. Ah, on reçoit en interruption un petit message, un petit octet, qui va déclencher l'interruption. On va insérer ce ou ces octets donc dans un buffer, qui peut faire tampon. Si on en a reçu un certain nombre, donc là j'ai mis 10, c'était la taille pour un message mini, pour dire bah, ça sert à rien de déclencher tant que la totalité du message n'est pas reçu. Donc voilà, donc on a reçu 10 octets dans le buffer, ok c'est bien, on lève un flag,
comme quoi il y a des données qui sont dans le buffer. Ce flag, l'OS va lire, il va dire effectivement, j'ai bien une tâche qui est en attente de ce flag, et il va l'activer. Donc la tâche va lire les données qui sont dans le buffer, donc le buffer qui est à gauche, hein, qui a été reçu en interruption. Il va créer une première partie, enfin la trame. Il va attendre que les données continuent d'arriver pour créer la trame en fonction de la quantité de données qui est arrivée. Donc dedans, on va retrouver l'adresse de la carte à qui on veut communiquer, le type d'instruction, la longueur du message, ça permettait de savoir combien de temps on attend, les données brutes. Oui, c'est un choix, c'est aussi par un manque de méconnaissance de l'utilisation de la DMA. Voilà, c'est plus pour ça, si ça répond à ta question. Donc, une fois qu'on a reçu le message, on va vérifier par rapport à un checksum. C'était simple, c'était comment j'avais fait déjà? Le complément A2 des 8 bits de plus bas niveau, un truc comme ça. Alors, En gros, j'avais utilisé le message pour qu'il soit compatible avec une communication XB. C'est le même format qu'un message XB. Hein, donc, je sais que Barba, tu les as utilisés oui. en mode transparent, oui. En mode API avancé, je sais pas si tu as J'ai pas testé. été jusque-là, mais en théorie, oui, tu vas l'avoir aussi au final. Mais en gros, au début, j'étais parti sur un autre format et quand on voulait utiliser le XB, il fallait une autre fonction qui formate différemment. Et j'ai tout passé sur le même format. Alors, c'est vrai que Le micro le... envoie un message via le XB ou via le bus RS485, ou après on l'a utilisé en USB pour qu'il simule un port COM virtuel directement. Mais c'était le même format. Ouais, du coup, tu gardes le même format. C'est vrai que ce CRC, pour savoir si ton message est valide, ça c'est quelque chose que, par exemple, nous, on ne faisait pas. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des soucis avec la commit de C une année. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place au moment où on a eu des soucis dessus. Alors pour ceux qui, voilà, qui savent pas ce que c'est, si je résume très basiquement, en gros, c'est un nombre unique qui dépend du message, qui va être calculé d'un côté, envoyé au matériel à qui on va envoyer le message, et il va faire exactement le même calcul, et s'il tombe pas sur le même chiffre, c'est qu'a priori, il y a eu un problème dans la transmission du message. Et ça permet comme ça de savoir si on doit renvoyer le message, si on peut des fois corriger le message, ça peut aussi être une possibilité pour des choses un peu avancées, mais l'idée elle est là, c'est de détecter si il y a eu une transformation du message, ou s'il y a eu des trucs qui se sont perdus en route, pour le coup. C'est exactement ça. Très bien résumé. Merci. Le message, une fois qu'il a été considéré comme valide, donc on va pouvoir l'exploiter, on va vérifier tout simplement s'il est bien adressé à la carte en question. Donc sur la carte, les cartes multifonctions, c'était via les petits switches. Donc il va aller lire les switches sur la carte. Et si le numéro correspond, il continue. Et là, c'est une fonctionnalité qu'on a rajoutée, c'est de vérifier si le message était prioritaire. Il y avait un certain nombre d'instructions de type de message qu'on devait considérer comme prioritaire et qui allait être exécuté en premier. Donc, par exemple, ça pouvait être un arrêt d'urgence. Et le but, c'est s'il reste des messages dans la FIFO, enfin, ou dans la queue qu'on va voir juste après, on s'en occupe pas, on lit ce message en priorité parce qu'il est prioritaire. D'accord. Voilà. Donc, s'il est prioritaire, on le met tout en haut de la pile pour qu'il soit lu en premier. Et s'il n'est pas prioritaire, on le met tout en bas pour que les messages soient lus dans l'ordre, tout simplement. Voilà. Et la tâche en question retourne en attente de son flag et il se passe plus rien, elle n'occupe plus de temps microcontrôleur. Elle n'est pas en train de lire toutes les X millisecondes dans le buffer. Est-ce que j'ai reçu un truc? Est-ce que j'ai reçu un truc? Est-ce que j'ai reçu un truc? Non. C'est l'OS qui va gérer. Et le fait qu'il y ait eu quelque chose ajouté dans la pile, c'est pareil, ça va activer la fonction qui était en attente de cette pile, là où les tâches plutôt, qui étaient en attente de cette pile, donc qui était elle aussi en idle, qui attendait qu'il se passait, qui occupait aucun temps CPU.
et qui vont à leur tour, bah, voilà, donc lire le message, l'instruction, quel type de message on m'adresse, qu'est-ce qu'on me demande de faire, d'agir en conséquence, hein, donc que ce soit bouger un actionneur ou au contraire répondre à un message, et retourner en attente. Une fois que c'est fait, bah, il ne se passe plus rien, le microcontrôleur est en mode idle, il attend que ça se passe. Ou il attend le prochain message. Donc voilà. Et ben, j'ai une idée pour faire quelques mesures de temps, un petit peu. Alors l'interruption, on est au part de 10 microsecondes, c'est pour un bit, un enfin pas un bit, un octet. La mise en forme de la trame, c'est une fois que tous les octets sont arrivés dans le buffer. Voilà, on parle d'une centaine de microsecondes. Alors ça dépend de la longueur du message. Là, c'est pour le cas des messages les plus longs. Et l'interprétation, pareil, une fois que c'était mis en pile, on est entre 20 microsecondes si c'est simplement de mettre un bit, enfin une sortie d'une pin à 1 ou à 0, couper un truc. Si par contre, il faut commencer à reformater un message de réponse avec bah, la position du robot, la position des actionneurs, enfin, il y a pas mal de données à aller rechercher à droite, à gauche, dans différents endroits de la mémoire, à les remettre en forme, à recréer un message et ensuite alors. En gros, en 220 microsecondes, grand maximum, finalement, t'as tout est fait, quoi. Voilà. Après, il reste le message à envoyer, s'il y a une réponse à envoyer, donc il part incluse là-dedans. Et voilà. Donc 200 microsecondes, même à l'échelle du microcontrôleur, ça reste super rapide, ça représente pas grand-chose. Et c'est très facile à gérer. Il y a des buffers un peu empilés, bah, justement pour pouvoir absorber une quantité de données à un moment donné qui va être assez importante. Donc la carte IA qui envoie bah, plusieurs actions à effectuer très rapidement, la carte va les recevoir et va pouvoir les diluer et les exécuter à son rythme. Enfin, à son rythme, on parle de centaines de microsecondes. Donc même si c'est bouger des actionneurs, Oui. ça n'a aucun impact de bouger deux cerveaux avec un écart de 100 microsecondes entre l'un et On va l'autre. pas le sentir, je crois. Rien que le temps de latence, bah, de toute façon, un cerveau, il reçoit son instruction toutes les 20 Oui, voilà. millisecondes. Donc déjà c'est totalement effacé. Et même si c'était plus rapide, le temps de latence de la méca sera largement supérieur à ça. Voilà. FreeRTOS, il permet de faire un truc aussi qui est assez puissant. C'est qu'il y a un outil qui s'appelle Perception, donc Trace Eraser, et qui va représenter dans le temps bah, ce qu'on vient de parler. Donc voilà, donc les différentes actions qui se passent lorsqu'on a un message à envoyer et à recevoir, donc on le reçoit via l'interruption en UART. Donc on va sortir le microcontrôleur de son état d'idle, de repos, rentrer en interruption, copier les données vers le buffer, voilà. Donc c'est exactement ce qu'on vient de voir, mais mis bout à bout avec les différents niveaux. Donc voilà, je vais aller jusqu'au bout. Comme ça sera fait. La levée du flag est gérée par le noyau, on s'en occupe pas. Tout ce qui est lecture de flag, recomposition de messages, on a traité ça dans un niveau 1. L'interprétation, enfin, lecture du message de la pile et son interprétation, c'est ce qu'on appelait du niveau 2, donc on est déjà un peu plus sur quelque chose de moins concret. Enfin, ou de plus concret, je sais pas dans quel sens. Un message qui a du sens, mais qui est moins abstrait sous forme d'octet. Ouais, t'es sur une couche plus utilisateur, on va dire. Voilà. Et ensuite, pour faire la réponse, ben on redescend la même chose, mais dans l'autre sens. On passe sur du niveau 1. Salut Mesker. On Salut. passe sur du niveau 1 pour créer des données plus physiques, et le niveau 0 pour envoyer message et le microcontrôleur retourne en idle. Et donc, FreeRTOS, via le logiciel, voilà ce que ça donne dans le Ouais, logiciel. ça c'est chouette ça pour le coup. Ça, c'est chouette. Ouais. Donc, j'ai copié. Où on voit les différentes tâches Alors, qui se passent. vas-y, relance en... Écrire Ouais, t'y étais, dans mais ça a revenu en arrière. C'est très très étrange. le. Voilà. C'est bon? Yes, touche plus à rien. Nickel. Donc là, ça se lit de haut en bas. Donc c'est au cours du temps de ce qui se passe.
Donc les différentes tâches sont donc les colonnes, donc les barres verticales de colonnes. Je suis désolé, t'es revenu en arrière. C'est très très Alors, étrange. je ne touche ni à la souris ni au clavier. C'est assez incroyable. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est quand même deux logiciels de chez Microsoft et ils n'arrivent pas à se parler entre eux. On parle de communication, voilà. Ouais. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc les tâches, plus la colonne donc, est à droite et avec les teintes vers le rouge, plus sont les priorités qui sont importantes. Et puis on est vers les bleus, sont les priorités bas niveau. Et en gris, on a la tâche idle. Alors là, pour le coup, la tâche idle est pas visible parce que pour pouvoir enregistrer plus de messages, je coupais l'enregistrement de Trace Analyzer. Donc il reste dans une tâche de communication, d'envoi de messages, mais c'est pas vrai. Enfin bon, c'est pas là. Et donc toutes les petites fenêtres là qui s'affichent, les petits messages, et ben voilà, ça va permettre de faire du debug. C'est Trace Analyzer qui l'affiche. C'est intégré au noyau. C'est à chaque fois qu'il change de tâche. Pourquoi il a changé de tâche, ben voilà, il va nous l'indiquer. Donc là l'interruption donc qui est en rouge, on voit qu'il rentre dans l'interruption, il va venir lever donc l'event group 7 bits from ISR. Donc ça c'est la demande de lever de flag qui va se passer. Dans la foulée donc il va envoyer un message dans la pile. Voilà. Et là en jaune donc ce sont des messages de debug que moi j'ai rajoutés. Donc il va nous dire voilà j'ai eu reçu 11 octets dans mon. Ensuite, en jaune, donc ça c'est le noyau qui va gérer ça. Il va dire, ah, on m'a demandé de lever un flag, ok, je lève le flag. Et donc dès que le flag est levé, donc on voit que la tâche du noyau est terminée. On rentre dans la tâche qui est en bleu un peu plus foncé, donc qui demande la recomposition d'un message. Voilà, et qui dit, bah voilà, moi j'attendais un event group wait bit. J'attendais un message, donc un flag en particulier. Donc ça faisait 200 millisecondes que j'attendais ton message, hein, mine de rien. Voilà, donc le message il est reçu. Ok, impeccable. Il y a 11 données dans mon buffer. C'est exactement ce que j'attendais. Alors là, j'ai un autre groupe donc de wait bit. Donc ça c'est un flag en interne que j'utilise pour éviter d'utiliser deux fois une même zone de mémoire quand je crée un message. D'accord. Donc si j'ai plusieurs, je veux envoyer un message. Pour éviter de multiplier en RAM des tableaux de données, bah j'en ai créé qu'un seul. Et en fait, elles vont attendre chacune leur tour bah, que cette zone de mémoire soit disponible. Donc voilà, donc ça c'est du surplus, hein, mais c'est pas grave. Donc entre là et juste en dessous, voilà. Et donc là, il a recréé son message entre les deux. On est dans le milieu de la page. Hein, il a recréé son message. Il va le mettre dans la pile, dans la queue, donc XQSON. Le message est dans la queue. Voilà. Et donc juste après, donc le noyau, il nous dit, ah bah du coup, j'ai un acteur qui est ready, qui s'appelle donc la tâche de communication lecture d'un message. Ouais, celle-là, elle est prête parce qu'effectivement, il y a un message dans la queue. Et donc notre tâche en question, donc qui est la bleue la plus claire, il nous dit, ah bah ouais, effectivement, moi j'attendais un truc là, XQ ici, j'attendais un message, il est reçu, je l'interprète, je recrée un message que je mets dans ma queue que je veux envoyer. Et donc, une fois que mon message donc, a été envoyé dans ma queue, le noyau il me dit bah, du fait que tu veux renvoyer un message que tu as mis en queue, bah, il y a une nouvelle tâche qui s'appelle le XQ Send Message, bah, qui est prête à t'envoyer et qui va être activée pour envoyer un message de réponse. Voilà, donc là on a en rouge un peu tout ce qui se passe en ISR. La gestion de la levée du flag qui est faite par le noyau. Nous, on a une première couche, donc le niveau 1 qui va gérer des données de bas niveau. Le niveau 2 qui va interpréter un message qui va dire effectivement, on me pose une question qui est de ce type, je dois répondre de cette façon, je crée mon message de réponse et ensuite on envoie la réponse. Voilà. Et tout ça, c'est entre 200 et 300 microsecondes pour des messages de réponse assez courts. Pour le message le plus complet que j'ai à envoyer, qui comprend la position du robot. Donc X, Y, Z et l'orientation, la position des six cerveaux, la position des 4 à X12, le couple des 4 à X12, les quatre mesures analogiques, les états d'alimentation, les états des entrées et sorties tout ou rien, la tension batterie, la carte, quelques autres bricoles.
Voilà, on est entre le début de la question et la fin de la réponse, on est autour des 500 microsecondes. D'accord. Mais là, tu fais une mise à jour de l'ensemble des actionnaires de ta carte, quoi, au final. Oui. Et donc, voilà, ça a pris 500 microsecondes et on peut faire la même chose pour la carte d'à côté. Et donc, du coup, la carte IA, qui est à haut niveau, ben, en 500 microsecondes, c'est tout ce qui s'est passé sur une carte, puis après la suivante. Donc, alors oui, effectivement, des fois ça paraît super compliqué comme ça, un peu résumé, mais voilà, si faut y jeter un coup d'œil, il y a plein de vidéos tuto, si j'en trouve, j'en mettrai sur le, enfin, dès qu'ils sont bien, j'en mettrai sur le Discord. Si vous avez des questions, ben, on va pas forcément rentrer tout dans le détail maintenant, mais ouais. Non, mais par contre, c'est vrai que cette vue, elle est hyper intéressante parce que tu as la présentation que tu as faite de toutes les couches. Là, c'est clairement ce qui se passe à l'intérieur de ton microcontrôleur, quoi. C'est tout ce qui est échangé, toutes les tâches qui sont créées, qui sont sorties, qui sont. Ça, c'est hyper, hyper intéressant pour le coup. Ah oui, ça, et au debug, quand tu crées le truc, d'avoir ça, tu sais pourquoi, à quel moment, combien de temps ça pris, la notion de tâche. Donc là, là-dessus, il n'y a pas le reste, mais on pourrait tout à fait dézoomer. Alors attends, je vais faire un truc. Oui, parce que oui, voilà, parce que imaginons qu'il n'y ait pas de il n'y ait pas de il n'y ait pas ça pour débugger. Je veux dire, c'est là où tu t'arraches les cheveux, quoi. Si Ne sais pas trop ce qui se passe. En réalité, voilà, l'outil, il ressemble à ça. Et donc, voilà, il se passe bah, plein de tâches. Donc là, j'ai dézoomé. Tout ce qui se passe à la fenêtre, sur l'écran, de haut en bas, ça représente. Bon, là, il y a 50 secondes parce que c'est entrecoupé. Mais voilà, on va avoir plein d'actions qui vont se dérouler, plein de tâches. Et après, on peut aller zoomer dessus. Là, donc là, le truc qu'on vient de voir pop-up. Et on peut continuer à zoomer pour aller voir chacune des tâches. À quel moment elle a eu lieu, pourquoi, combien de temps ça a pris. Alors, attends, si je viens le truc de Skype, voilà. Donc, je prends une tâche, là, en données, voilà, de recomposition des messages. Et il me dit qu'elle a duré 190 microsecondes. Enfin, au total, entre le temps d'attente plus le temps d'exécution, 190 microsecondes. Ça représente 0,02% du CPU. Il y en a eu 9, etc. Et on peut continuer. Alors là, il y a plein de views. La charge du CPU au cours du temps. Bon, là, elle est faussée à cause de l'enregistrement, mais l'utilisation de, ben, voilà, des queues de messages. Si jamais on peut voir que ça plante, ben, il va nous dire qu'il y a une queue qui se remplit. Pour quelle raison? Ben, on peut aller creuser, zoomer, voir ce qui se passe à ce moment-là. On peut aller voir l'intensité des appels entre les fonctions. Là, on voit que sur la fenêtre de temps de 36 secondes 827 261 à 37 secondes 837 autant, ben, il y a eu autant d'instances de telle tâche, autant d'instances de l'autre. Ah, c'est Donc un là, outil hyper, hyper intéressant pour du debug, quoi. C'est pour le coup. et voilà. Là, on voit que les tâches de comment ça s'appelle, de communication. Et on peut en ouvrir un autre alors que j'en trouve un qui fonctionne. Faut trouver le. C'est peut-être pas forcément le bon exemple, mais on peut avoir les tâches d'asservissement, voir à quelle fréquence ça se passe, pourquoi il y en a une qui dure plus longtemps, qu'est-ce qui se passe. Là, on voit, bah, par exemple, là, il y a une tâche de communication qui a été interrompue. Et il a pas arrêté de passer d'une tâche à une autre. Ensuite, on peut lui demander, bah, pourquoi. Alors, les carnets d'objets, forcément, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, il nous dit, bah, voilà, ma tâche Lidl. Là, sur cette, voilà, je prends ma tâche Lidl. Elle a été interrompue toutes les millisecondes. Et au total, bah, il a quand même passé 90% de son temps en idle, donc à rien faire. D'accord. Je peux essayer d'en ouvrir un autre. Au hasard. Qui ne marche pas. Non. Si, il fonctionne. Voilà. Donc j'en ai fait plein, hein, pour essayer d'optimiser la debug. Donc là, on a une partie de l'asservissement qui se passe là. Et qui va se retrouver
Voilà, il refait une autre tâche d'asservissement ici. Puis une autre plus loin. Donc là, il me dit que mon asservissement, il dure en temps d'exécution 50 microsecondes. D'accord. Ça représente 1% du temps de En CPU. gros, là, ce que tu es en train de nous montrer, c'est à chaque fois que tu lui as envoyé une tâche pour s'asservir, pour pouvoir se mettre au bon endroit, que pour se corriger au final. Oui, Ok. c'est ça. Et on peut continuer. Ah, c'est. Il est là. Ok. Plein de, bah, il y a plein de. Alors, attends, si tu prends celle-là. Le communication flow, c'est sympa. Communication flow, voilà. Donc, le logiciel. Non, moi, j'ai rien fait. Il nous fait un petit graphique de ce qui se Ah passe ouais. niveau communication entre les tâches. Donc, typiquement, on part du bas. On a donc notre tâche enfin, notre tâche, c'est pas une tâche, c'est une fonction de nom d'interruption qui va dire à une queue, bah, attention, il faut lever un flag. D'accord? Donc là, en jaune, c'est le noyau. Le noyau, il va lever le flag en question qu'on vient demander de lever. Donc, comme quoi, il y a des données qui sont arrivées. Et on aura donc d'autres tâches qui vont l'utiliser. Et il y en a une, ici, bah, qui va dire, bah, effectivement, moi, j'attendais un flag, je reçois un flag. Je crée un message que je mets en queue et qui va être envoyé dans ma tâche de lecture, qui va recréer un autre message de réponse. Tâche needle plutôt que juste les laisser tourner. Mais en fait, elles sont pas vraiment en needle. Le microcontrôleur, il peut faire qu'une seule tâche à la fois. Il peut pas en faire plusieurs en parallèle. Hein. Il est qu'à un seul endroit en même temps quand il fait une tâche. Ben en fait, là, il va pouvoir switcher d'une fonction à l'autre. C'est comme si tu avais plusieurs microcontrôleurs en parallèle et du tout en un seul endroit. Et on peut pas vraiment. Oui, en fait, le microcontrôleur en lui-même, il n'est pas en idle, il attend que ça se passe. Mais c'est l'OS, il va dire bah, cette tâche-là, elle n'a plus rien à faire. Ben, je la mets en stand-by et je vais en faire une autre pendant ce temps-là qui a une importance plus importante. Voilà. C'est un truc assez compliqué quand même à expliquer comme ça. Ah, oui, Voilà. tu peux pas faire de vrais parallèles quoi, au final en tâche sur des Non. microcontrôleurs, c'est pas possible. Donc du coup, on se laisse du temps pour faire des opérations qui sont soit sensibles, soit qui ont quelque chose à faire à un instant T en fait. Tout en essayant de pas perdre trop de temps sur des actions qui sont sensibles et qui ont une importance plus importante, enfin qui ont une plus grande importance dans le code quoi. Il retourne en idle, par contre, c'est quand là, il n'y a plus rien à faire. Alors, si mon asservissement a lieu toutes les 5 millisecondes et qui dure 50 microsecondes, ben, il me reste 4,95 millisecondes où ben, ma tâche d'asservissement, elle ne fait rien. Donc là, ben, les 4,95 millisecondes qui restent, il va retourner, il va se mettre en idle. Et puis peut-être qu'une milliseconde après, il va recevoir un message. Donc il va aller gérer le message. Puis une autre milliseconde après, bah, il y aura un autre truc à faire. Et ainsi de suite. Donc la tâche idle, en soi, elle sert à rien. Sur des applications embarquées, on pourrait tout à fait lui demander de se mettre en low power, le microcontrôleur, pour économiser l'énergie. Et dès qu'il reçoit un message, dès qu'il y a un truc à faire, à un instant donné, bah, il va sortir de son mode low power pour aller gérer ce qu'il a à faire. Donc Et voilà. alors ça, s'il avait fallu le coder from scratch, voilà, c'est là où FreeRTOS amène énormément de choses, quoi. En plus des outils qui sont là, qui sont, enfin, pas complètement vitales, mais qui amènent un temps de développement bien plus important et du coup à une facilité d'utilisation et de debug qui est géniale. Moi, je connaissais pas du tout cet outil-là. Et l'autre, celui que tu nous as montré pour faire le diagramme qui est généré automatiquement, il est juste génial. Je veux dire, ça tombe sous le sens quand on le voit, quoi. Mais, bah, en fait, c'est dans le même outil, hein, Ouais, c'est juste qu'il je trouve ça y a assez fou, quoi. dire bah, quelle tâche a reçu un message ou attend un flag ou attend quelque chose d'une pile, et va bah, la renvoyer vers telle autre tâche. Donc, en gros, là, on a notre flow de communication qui rentre de l'interruption, qui va être interprété, remis en pile, recréer une message de réponse qui va être à son tour mis en pile vers une autre tâche qui va envoyer le message. Ouais. Voilà, les user log, là, donc ce que disait justement le fait que moi j'ai rajouté dans mon code
quelque part, je lui dis, ben, log-moi un message avec une info. Donc là, je voulais savoir combien il y avait de messages dans un buffer, mais on peut mettre soit un message texte, ou alors on peut mettre des données. Il va par exemple créer un graphique. Voilà. Bon là, c'est tous Oui, la même, toujours la bien même. sûr. Il y a des exemples où en fait, il y en a qui sont servis de ça. Bah, par exemple, pour loguer une valeur analogique de mesure de tension. Donc tu dis à ta tâche, fais-moi. Ah oui, pour trouver un code bloquant, ouais, c'est top. Voilà, mais tu lui dis, toutes les 10 millisecondes, tu réveilles une tâche, tu la mets, tu lui fais lire une valeur analogique et tu la logues. Bah, ça va être enregistré en RAM et ensuite l'outil il va te mettre les données qu'il a loguées et qui sont synchronisées avec tout ce qui se passe dans les autres actions. Ouais. Parce qu'en fait, tu cliques dessus, voilà, c'est ça, et Qu'est-ce qui s'est bah, passé à cet endroit-là? dans la vue principale, il va aller mettre la vue principale. Voilà, j'ai pas un mauvais exemple, il est déjà au bon endroit, mais plus loin, voilà. Il va se déplacer dans la vue principale. Bah, par exemple, tu vas avoir une donnée qui a un gros pic, ou tu as une pile qui explose à un moment donné. Bah, tu vas voir pourquoi le pic elle augmente. Bah, il va aller te mettre dedans, et puis il va te dire, il est rentré dans telle séquence d'action, il s'est passé ça, il y a une action qui est restée bloquée parce qu'elle attendait un flag qu'une autre action devait lui lever, mais qui elle aussi était bloquée parce qu'elle attendait un flag de la première action. Tu en as deux actions qui s'attendent mutuellement, bah, ça va te permettre de débloquer cette action. Ouais, du coup, pour compléter la réponse à Roger, c'est effectivement, t'es dans du non-bloquant parce qu'à chaque fois que tu exécutes une action, tu l'exécutes pendant un certain... Alors, t'es bloquant pendant un certain temps, forcément, mais tu limites en fait ce temps au minimum, au strict minimum dont tu as besoin. Et après, tout le reste du temps, t'essayes de lancer d'autres tâches. Alors, effectivement, tu peux le faire à la main, mais là, l'avantage de FreeRTOS, c'est que tu vas créer plus facilement une structure qui va se baser sur ce principe-là, quoi. Après, je sais pas toi qui l'as utilisé et qui l'utilise, c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite aller un petit peu plus loin, ou c'est quelque chose qui est déjà, en termes d'avancement, en termes de niveau d'appréciation, sur quelqu'un qui voudrait s'y mettre, c'est quoi comme niveau de difficulté? Il y a des prérequis, il y a des choses que tu voudrais, qu'il faut savoir, C'est peut-être pas le truc prioritaire pour une équipe qui voudrait commencer à faire de la robotique, hein, on est d'accord. Ça demande déjà d'avoir un peu des bases de comment ça fonctionne un microcontrôleur, comment ça fonctionne une boucle, un peu d'action. Par contre, oui, pour aller plus loin dans la gestion de la stratégie, dans la gestion de couches d'asservissement, typiquement. Les robots qu'on utilise, on a des asservissements qui sont empilés. Donc tout en bas, on va avoir un asservissement en vitesse. Donc on lui donne une consigne et le robot avance. Et pour lui donner cette consigne, au-dessus, on va en avoir un asservissement en position qui, voilà, je veux aller à telle coordonnée, enfin plutôt à telle distance et tourner de telle rotation pour arriver là où je veux aller. Ben, je vais donner à mes asservissements en dessous une consigne de vitesse d'avance et de vitesse en rotation. Voilà, donc tu crées, on va créer une tâche, asservissement en vitesse, qui tourne, donc je vais vous montrer, voilà, là j'ai une tâche FreeRTOS, j'en ai une là, qui est dans le code. Bon, c'est pas la bonne, hein, c'est pas celle d'asservissement, mais peu importe. Donc c'est une boucle infinie, donc qui est dans un while, non, merde, c'est pas la bonne, mauvais exemple. Vraiment mauvais exemple, du plus mauvais exemple possible. Là, j'improvise un peu, hein. Un peu beaucoup, en Oui, fait. parce qu'en fait, là, on est arrivé un peu à la fin de la présentation. Là, on est vraiment... Voilà, on improvise. Voilà. Donc là, on en a une qui servait de faire de la communication. Donc ça, c'est une tâche. Elle est créée. Si je décommande ça, c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Je vais mettre la bonne.
Là, celle-là. Celle-là, la ligne 228. Donc, je lui demande de créer une tâche donc, qui correspond à. Donc, qui va appeler telle fonction. Ça, c'est pour du debug, savoir comment elle s'appelle. Là, c'est la pile, enfin, peu importe. Et un niveau de priorité. Donc, une fois qu'elle est créée, l'OS, il va aller dedans. Il va rentrer, on détaillera ça après le programme. Et voilà, donc on est dans une boucle infinie, un while true, hein, peu importe. Donc je vais dire de façon infinie, envoie-moi un message, donc j'appelle une autre fonction, et ensuite tu attends une durée de. Donc là j'ai mis 50 millisecondes. Et au bout de 50 millisecondes, il va revenir et il recommence. Pas tout. Si tu parles de FreeRTOS, oui, c'est open source, c'est gratuit. Et dans le nom, c'est indiqué. Le lien de code, oui. Bah, je pense que Barbara, on peut y arriver. Oh Hein. Tu peux bah, mettre allez, c'est parti. le lien du GitHub. Tout ce qui est là, donc la présentation que je viens de vous faire. Les cartes électroniques, elles y sont. Alors, ce ne sont pas des fichiers Altium ou Eagle. Ce sont des fichiers que j'utilisais donc sous Proteus, mais il y a les versions PDF aussi qui sont présentes, donc les schémas électroniques en PDF. Alors je suis pas un schémateux, hein, je pense qu'il y en a qui vont me tuer quand on va voir les schémas, mais au moins ça y Alpha, est. si tu nous Il écoutes. y a les schémas, enfin des Python. Les typons, je crois que j'ai pas encore mis, mais je vais les mettre sur les fichiers Gerber pour simplement lancer la carte en fabrication si quelqu'un voudrait les faire. Et voilà. Et le code y est, tout le code est sur le GitHub ainsi que l'IHM. Bon, on voulait présenter l'IHM, il est déjà minuit et demi. On va peut-être pas. C'est toi qui vois, Voilà. je... On peut le faire, hein. Après, il y a une question d'Alex. Ça ressemble à quoi vos stratégies? C'est des programmes ou comportements déterminés où ça réagit à ce qui se passe? Genre changement d'objectif. Oui, bah, la stratégie, bah, c'est une tâche RTOS hein, aussi, et qui va donc boucler en continu, ou pas. Donc c'est une longue boucle, et qui va avoir bah, plusieurs actions possibles. Donc alors typiquement, ça va être d'aller pousser quelque chose dans un coin, d'aller ramasser un gobelet de l'autre côté, voilà, plein de toutes les actions qu'on veut faire. Et à chaque fois que le robot a terminé une tâche, bah, il regarde dans sa liste d'actions qu'il reste à faire. Il va leur affecter un poids par rapport au nombre de points qu'elle rapporte, la distance à laquelle elle se trouve. Il va faire un petit calcul de pathfinding pour savoir s'il peut aller jusqu'au début de cette action, si la trajectoire est faisable. Récupérer donc de ce pathfinding la distance du chemin qu'il faut pour y aller et la pondérer. Est-ce que l'adversaire se trouve à proximité de la zone d'action? Auquel cas, pareil, on va pondérer pour dire bah, si l'adversaire y est, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller faire cette action-là. Il va prendre aussi en compte le temps du match qui reste pour savoir bah, si l'action est trop longue pour le temps qui reste. Bah, on sait qu'on mettra pas tous les points, donc autant peut-être aller faire une action qui rapporte moins de points mais qu'on a plus de chances de finir. Et ainsi de suite. Et à partir de ça, bah, il va déterminer quelle est l'action la plus pertinente à un moment donné à effectuer. Puis en cours de route, il se retrouve qu'il y a quelque chose qui bloque, donc l'adversaire se retrouve sur son chemin. Bah, pareil, on remonte un message à la stratégie qui dit bah, je peux plus faire cette action-là parce que bah, je peux pas y aller. Donc on va mettre l'action qui était en cours, on va la changer d'état. Donc soit si elle est terminée, ou alors carrément devenir impossible, ou à la bloquer, on va dire bah, on ne peut plus la faire. Et le robot bah, va, à la couche de stratégie, va refaire son calcul sur toutes les tâches pour déterminer effectivement, bah, maintenant je ne peux plus faire celle-là, il m'en reste un certain nombre d'autres à faire, ma position a changé, les chemins pour aller aux actions ont changé, la position de l'adversaire a changé, mais bah, il va recalculer quelle est la meilleure action à effectuer à ce moment-là. Donc c'est un peu lourd, et éventuellement, bah, une fois qu'il l'aura fait, il pourra revenir à celle qu'il a interrompue si on ne l'a pas bloquée. Pour dire, voilà, j'ai pas pu la finir, bah, je vais la refaire.
Il aura mémorisé via dans la machine, pardon, dans la machine d'état, une autre variable d'avancement en fait dans une tâche. Pour dire, bah, j'avais commencé à récupérer des trucs dans un sens, mais enfin, d'un côté, mais j'ai pas fini. Bah, c'est pas la peine que je reprenne au début. Je vais aller là où j'en étais, que j'avais pas fini. Au-delà de la reprendre au début, il peut la reprendre un peu plus loin qu'au début. Par exemple, il les avait ramassés, mais il n'a pas pu aller les déposer de l'autre côté du terrain parce que l'adversaire s'était mis entre les deux. Mais il les a quand même toujours ramassés, des gobelets ou des palets, peu importe. Mais quand il va vouloir la refaire l'action, il va dire bah, effectivement, je les avais déjà ramassés. J'ai plus qu'à aller les déposer. L'adversaire ne me gêne pas, et bien, je vais les déposer. Est-ce que du coup, ce serait pas une très bonne transition pour montrer du coup l'interface Ouais. C'est l'interface qu'IHM refaite là pendant le confinement. Il n'y a pas de notion de stratégie fonctionnelle, dans le sens où j'ai même pas lu le règlement. Enfin, cette année, je sais pas. Cette année, l'année prochaine, on sait plus non plus. Hein, Voilà, donc de la coupe, la prochaine coupe à venir. Donc, faut, voilà, je vais vous montrer l'IHM. Faut pas se baser sur ce que fait le robot. Par rapport au règlement ou ce qui devrait faire. Le but, voilà, c'est d'afficher des infos et après, bah, le contenu viendra en temps et en heure. Alors Alex Ness qui dit pas mal du tout cette IA. Ouais, en plus Alex, donc si jamais vous savez pas, il fait du stream aussi sur Twitch et sur la coupe. Et oui, toi ça te parle forcément puisque c'est un de tes sujets de stream depuis quelques temps du coup. J'ai regardé un peu quelques-uns. Ouais, t'as suivi un petit peu ces streams à Alex du coup. Ouais. En gros, faut manipuler des Alors. gobelets. Oui, alors les gobelets sont présents. Moi, j'ai vu l'IHM, les gobelets sont présents. Alors. Donc l'IHM est codé sur Unity. On aurait pu le faire autrement. Voilà. Donc je vais la lancer. Je vais vous la présenter avant de mettre en boucle le robot. Oui, parce que ça, c'est une particularité. Il faudrait que tu expliques aussi le robot à côté. Ça, j'aime bien ça. Donc là, on est sur la page principale de l'IHM où on va avoir donc deux onglets en haut à gauche, un petit robot et gros robot, donc ils se ressemblent forcément, hein. Et pour chacun de ces robots, là j'ai prévu de pouvoir aller jusque quatre cartes. Donc ça, ce sont le contenu d'une des cartes multifonctions dont on vous a présenté tout à l'heure. Donc avec la position des six cerveaux qui va être remontée à l'IHM. Donc là, le PC, il va être, je vais le faire aller après, hein. Il va être en lecture. Il écoute simplement les messages qui passent sur le bus RS-485. Non. Il n'envoie rien. Où il reçoit les messages. La carte multifonction, elle envoie à intervalles réguliers, enfin à la demande de la carte IA, la position de ses actionneurs, même si là, ils vont pas bouger pour le coup, parce que c'est la démo. Mais voilà, la position du robot, les valeurs numériques, enfin en ADC, donc c'est les lecteurs de tension. Voilà, donc ça c'est pour une carte. On a bah, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte, pareil, c'est le même schéma. Donc voilà, ça c'est la fenêtre en haut à gauche. Bon, il reste encore pas mal de choses à faire, hein. Il y aura encore des boutons de menu, des autres fenêtres qui vont se rajouter. Parce que là, tu l'as refaite par rapport Ouais. à ce que tu utilisais en 2015. Là j'ai commencé, ah oui, j'ai commencé pendant le confinement à la refaire. Donc elle est toute neuve. En dessous, on a plus une fenêtre d'interface où on va pouvoir interagir. Donc on va pouvoir envoyer des commandes de déplacement, par exemple. On va dire au robot, bah, avance, enfin, déplace-toi jusqu'aux coordonnées 500, 2536, voilà, en marche avant, sans effacer. Et si je clique sur envoyer, bah, le robot va recevoir le message sur le bus et va se déplacer jusque là-bas. Un autre onglet donc qui va servir pour régler les PID. Donc justement la partie asservissement qu'on va vouloir régler. Donc je branche le câble Ethernet en RJ45 sur le robot, je le mets sur la table. Et voilà, j'ai plus qu'à rentrer les valeurs de mes différents asservissements. Je retourne dans mon mode déplacement, je lui donne une consigne de déplacement, je vois ce qui se passe, et puis je peux interagir, régler mes PID au fur et à mesure. Et une fois que j'ai trouvé des valeurs qui vont bien, je prends un petit papier, un crayon, parce que voilà, c'est ce qu'on disait avec Barba juste avant le live. Pour l'instant, c'est pas prévu que ça soit enregistré en dur dans les proms, dans la flash, hein, pour envisager.
C'est plus, voilà, j'ai trouvé mes valeurs, je les ai écrites, et puis ensuite je les recode pour dire. Donc ça, c'est pour la partie gauche de l'écran. À droite, on a donc une vue du dessus du terrain de jeu. Donc j'ai mis le terrain de l'année en cours. Et on va avoir donc la position du petit robot qui va se mettre à jour, hein, à peu près dans le milieu. Et à droite, on n'a pas de gros robot. Si on avait les deux robots qui est connectés, ben c'est pareil, ça viendrait se mettre à jour. Voilà. Et en dessous, on a une fenêtre de log, on a des messages de log qui s'affichent. Et pour l'instant, on ne sait pas coder, mais ça viendra de pouvoir rentrer une commande de type G-code. C'est ce qu'on avait fait en 2015. Donc c'est de l'interprétation de ligne de commande. J'envoie un message voilà, avec des codes pour déplacer le robot ou déplacer les actionneurs sans appuyer sur des boutons. Donc voilà. Et il reste encore un onglet qui est super enrichi. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, si vous avez vu un peu les images de FeoMyBot sur leur IHM, bah, on va essayer de s'inspirer un peu de ça bah, pour afficher les choix de stratégie, l'état des différentes actions. Et un historique donc justement de l'état de ces actions au cours du temps pour comprendre J'ai fait j'ai ça. fait ça pourquoi. Alors j'ai fait ça donc j'ai réécrit tout le code, j'ai fait la présentation, j'ai refait l'IHM. La base, le but, bah, c'était de vous mettre tout ça en open source. C'était Donc il a... Effectivement, le fait de remettre le nez dedans, Oui, voilà. C'est-à-dire ça titille un peu. qu'à la base, il a fait ça pour ne pas participer, pour repartager. Et au bout d'un certain temps, je crois que l'envie d'aller plus loin commence à être un peu plus forte. Ouais. Donc voilà. Et voilà. Donc l'IHM aussi, si je double-clique, donc ça me permet de passer en grand pour avoir une vue un peu plus grande. Et je peux passer aussi en vue 3D. Alors, il y a encore un peu de debug parce que la réactivité n'est pas top. Et je peux me déplacer autour du terrain, zoomer, tourner autour des robots. Voilà. Donc la table est en 3D, le robot est en 3D. Et voilà. Et donc à côté de moi, j'ai le robot tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le petit robot. Donc j'ai branché son petit câble Ethernet sur le connecteur RJ45 qu'on avait au-dessus. Il est programmé comme s'il devait se déplacer à une variable près, pardon, qui est de simulation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le robot va fonctionner comme s'il était sur le terrain. Dans le sens où le code n'est même pas au courant que le robot va pas se déplacer, parce que là, il est sur une chaise. Ça m'arrangerait qu'il se déplace pas. Donc le code va fonctionner, les asservissements fonctionnent pareil, à la même fréquence, exactement pareil, l'odométrie fonctionne, c'est juste que les roues tournent pas. Il y a à la fin de toute la pile on va dire, de fonctionnement de ce qui se passe. Et entre la position du robot, de là où il veut aller, une première couche d'asservissement, une deuxième couche d'asservissement. En temps normal, le robot, on arrive à deux chiffres, donc qui serait la puissance qu'on enverrait au moteur droit et au moteur gauche. Et au retour, on va avoir la position des codeurs qui vont permettre de faire bah, tout le de remonter justement toute cette chaîne pour mettre à jour les données et recommencer. Et bah là, ce que je fais, c'est que la dernière ligne, les deux derniers chiffres, les deux dernières valeurs, au lieu de les envoyer vers le module de timer, donc vers les moteurs, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dériver. Et on va incrémenter des codeurs virtuels. En fait, c'est la même variable que les codeurs normaux qui sont incrémentés en interruption. Mais je peux vous montrer dans le code, en fait, ça va être plus clair. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais, c'est ça que j'ai vraiment, que bah, je te l'avais dit, hein, que j'appréciais vraiment, c'est que c'est entre l'IHM et le simulateur. C'est-à-dire qu'à part le fait que le robot bouge pas, tu peux faire aller tout l'ensemble de ton électronique et ta méca, etc., et tes actionneurs à côté, tout en voyant toutes les étapes de match. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi, du coup. Toujours avec cette idée que tu viens juste t'interfacer sur les messages échangés, et ça, je trouve ça d'une simplicité, d'une efficacité assez chouette, du coup.
Ça permet de tester le robot, de le faire se déplacer sans avoir à quitter le stand ou le laisser sur la table ou sur une chaise, enfin peu importe. Et tout fonctionne de la même façon. Je sais pas comment dire autrement que c'est le même. Donc là, voilà, je suis dans la boucle qui nous intéresse, donc d'asservissement des deux roues, où en fait, voilà, il va lire la valeur d'un codeur, calculer le déplacement la roue à droite, la roue à gauche, pour calculer sa vitesse, mettre à jour donc les PID et effectuer les PID, donc PID de la roue à droite, le PID de la roue à gauche. Donc ça nous donne, à la sortie de ça, c'est clairement combien doit mettre de rapport cyclique sur la roue à droite ou sur la roue à gauche pour avancer à la vitesse qu'on m'a demandé. Et voilà. Et le petit truc, il est là, c'est cette ligne-là. Il va vérifier si j'ai une variable en simulation. Si elle n'est pas en simulation, il fait son truc normal. Donc là, il fait son rapport de. Enfin, voilà. La consigne que j'ai envoyée, c'est en pourcentage entre 0 et 100%. Hein. Donc on va cadrer un peu ça. Et on va envoyer directement au PWM la consigne du moteur droit, la consigne du moteur gauche, et mettre à jour le sens de rotation. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Si je reste là-dedans, dans cette boucle-là, ça envoie du courant au moteur, le robot avance. Ou tourne, ou recule, peu importe. Et par contre, ma variable, là, je peux aller dans la fonction de ma variable, c'est juste odométrie, voilà, simulation, c'est une variable. Un bit à 0 ou 1. Si elle était en mode simulation, il revient là-dedans, la place, il n'y a qu'une seule ligne, et qui va incrémenter mes codeurs. Avec ce que normalement il aura envoyé au moteur à droite ou au moteur à gauche, si je vais là. Mon codeur droit, c'est ce que j'aurais dû envoyer au moteur droit. Mon codeur gauche, c'est ce que j'aurais dû envoyer au codeur gauche. Et ensuite, cette valeur-là de codeur, elle va être lue par l'odométrie, donc la boucle d'odométrie. Il va recalculer une position du robot, comme si c'était vraiment déplacé sur la table de cette valeur-là. Remettre à jour ses PID, refaire son fonctionnement. En déduire s'il doit effectuer, enfin bouger des actionneurs, etc. Donc, pour avoir le robot qui est sur votre table devant vous, vous êtes branché avec l'IHM, le robot croit se déplacer, il croit être en train de jouer un match, vous amenez à la main des éléments de jeu devant lui, devant une pince, devant un capteur, et vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur comme s'il était en train de bouger sur la table. Tout pareil. Ouais, Donc, je vais vous pour le montrer. coup, c'est top, quoi. Et puis en plus, tu le vois aussi sur ta simulation, quoi. Donc tu sais dire où est-ce qu'il est, quoi. Ah oui, au-delà de simplement que tu vois, enfin, tu vois pas se déplacer, donc c'est difficile de tête de se rappeler où il est. Là, au moins, tu Mais c'est visuel, quoi, tu le vois. tu vois sur l'IHM, tu vois qu'il se rapproche d'un gobelet. Je vais prendre un gobelet dans ma main et je vais venir lui mettre dans la pince. Donc voilà. Donc je mets en route le robot. Merci, lecteur dit. Donc là, hop, je mets sous tension et voilà, et le robot. Il se déplace, il est à côté de moi, il bouge pas, hein. Je peux vous montrer devant la Et caméra. heureusement qu'il bouge pas, parce que sinon. Il est à côté de moi sur la table et l'électronique fonctionne, ça clignote, ça fait tout comme si c'était en vrai. Et là, je peux me déplacer, il dit, ah, voilà, il a très. Ah, j'ai pas pris le bon bouton. Donc là, en plus, moi, il fait des mouvements, c'était le test du pathfinding. Donc il croit qu'il y a un objet à peu près dans le milieu et un obstacle, et il y a un autre obstacle quelque part un peu en dessous de lui, là, devant la zone de départ jaune. Tiens, je pense à un truc comme ça, alors, en regardant la simulation. Vous êtes sur t'es sur un principe de je vais d'un point A à un point B avec une ligne droite. Tu avais tenté d'implémenter tout ce qui était courbe sur les déplacements, ou ça a jamais été quelque chose auquel tu as pensé, ou qui a été nécessaire en fait sur tes participations? Oui, on l'a fait. En soi, enfin, c'est en cours de Ok. redéveloppement. Non, pas trop spoiler, mais oui, je suis en train de le Ok, refaire. cool. Le fait dans le code de pouvoir changer une variable et de switcher de plusieurs types d'asservissement, ça permet donc de le faire. Et voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas fait. Je reviens sur l'IHM global. Donc on a les messages du log, donc qui nous dit les points où il va et un peu les messages du ASTAR. Voilà, et si je lui donne des autres coordonnées, donc on avait dit tout à l'heure 500 et 2535, alors dans ça, c'est pas une bonne idée.
c'est en dehors de Oui, la c'est ce que table. j'allais te dire. Il suffit de lui renvoyer et bah, le robot il tourne et il va aller à cet endroit-là. Laisse-lui 3 heures et cabriolet à tout le monde. Ah, s'il est en train de le redévelopper, c'est qu'a priori il est pas très loin. Bah, oui. Alors on l'avait fait en 2013, donc c'était Happy Birthday, l'anniversaire, donc il y avait un gros espèce de gros gâteau en arc de cercle. Ouais. Et on passait autour, on avait fait un arc de cercle pour appuyer sur les bougies. Voilà, bon, de toute façon, je vais le refaire parce que j'aimerais bien pouvoir refaire des spins. Alors, dans soi, j'arrive déjà à le faire. Parce que mon déplacement, je peux avoir plusieurs points, il va les passer les uns après les autres. Et si je les enchaîne suffisamment rapidement, Ah oui. on va pouvoir faire une espèce de spin, mais c'est pas. Tu discrédites en fait ta courbe. En fait, tu fais des morceaux de. Et pareil pour les cercles, j'avais fait avec des cercles, en fait, c'était, j'avais 200 points et il passait par Ah. 200 points. Et en mettant des fenêtres un peu d'arrivée et de départ, des points assez larges, on était assez. Enfin, ça a fonctionné, mais c'est pas super Ouais, fluide. je comprends. Ouais. Mais en soi, le robot le fait déjà. Alors, je sais pas comment j'ai expliqué ça dans l'asservissement, mais. C'était une question complètement, savoir si effectivement tu y réfléchissais ou si c'était quelque chose que tu avais déjà en cours de travail en fait, mais en l'occurrence ça a l'air d'être le cas quoi. L'occurrence, alors je vais faire un truc moche mais à Ah, l'arrache. parfait, ça c'est le moment tableau blanc. Là, ça te fait. Donc, admettons notre robot. Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire ça. Notre robot il se trouve là et il a cette. Le robot, il se trouve là. Bon, ça va pas être joli, hein, c'est T'inquiète, l'info. Et t'inquiète. il a ce vecteur direction-là. Hein, Ok. c'est schématisé. Et on veut se rendre à un point qui se trouve. Non, c'est fou. Ça me semble. Bon, c'est pas grave. On va se rendre à un point qui se trouve là, par exemple. Yes. L'option qui vient naturellement en tête, c'est de tourner le robot de sorte que son vecteur direction Pointe vers se le. trouve Ouais. sur cette ligne-là. Ça, c'est. Voilà, c'est. Après, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps et c'est ce que beaucoup de monde font. Et ça fonctionne très Je bien. Hein. confirme. Tout le monde fait. Voilà, ça fonctionne très bien. On a rajouté une petite add-on. C'est qu'en gros, le robot, on va lui donner un cône d'avance. Alors, ça va changer de couleur, on s'en fout. Et décide-toi, paint. Un cône d'erreur en angle, ici, qui dit que tant que le vecteur direction du robot se trouve en dehors de ce cône-là, le robot ne bouge pas. Mais il a le droit de tourner à sa vitesse maximale. D'accord. Donc le robot, il va tourner, tourner, tourner. Donc il va venir se rapprocher de cette ligne-là. OK. Le vecteur de direction va arriver sur le bord de ce cône. Alors c'est pas un cône, c'est en 2D, pour un V. On va lui dire, tu as le droit de commencer à avancer. Et tu ralentis ta vitesse de rotation de hauteur. Donc en fait, le robot, au lieu d'attendre d'être sur la Ah ligne ouais. et ensuite d'avancer, il va commencer. Alors je vais essayer, ça va être très moche. En fait, tu vas composer tes deux mouvements, quoi. Voilà. Donc il va commencer à avancer et continuer à tourner. Et plus le vecteur direction va s'approcher d'un alignement avec la direction, plus les deux vitesses vont se croiser. Donc il va tourner de moins en moins vite et avancer de plus en plus vite. D'accord. Au lieu de tourner et en fait d'avancer, il va faire une espèce de courbe. Non, j'exagère, hein, c'est très moche. Ouais, je comprends. Ouais. Et les vecteurs vitesse, si je fais un truc court du temps, ça c'est mon temps, ça c'est mes coefficients en Ok. vitesse. J'ai aucune erreur en angulaire, c'est-à-dire que mon robot est parfaitement aligné sur ma target, ma vitesse de déplacement est maximale,
Ma vitesse de rotation, mais c'est pas ça que je veux faire, m'énerve. Ma vitesse de rotation est zéro. Si le robot rentre bien, parce qu'il y a quelque chose qui freine sur sa route, un obstacle, un point dur de déplacement, quelque chose, il en vient à quitter un peu cet alignement, et bien tout simplement, en fait, il va avoir le droit à commencer à tourner, en fait, jusqu'à atteindre une vitesse max. Par contre, sa vitesse, c'est pas vrai. Sa vitesse d'avance, elle va réduire. D'accord. Et si l'erreur en angle est trop importante, mais j'avance plus et je fais que Tourne. tourner pour me réaligner. D'accord. Et alors, Ouais, donc en je vais soi, pas. Si je peux le t'as faire. un début Oui. de trajectoire courbe, quoi, en fait. C'est pas juste que tu vas. Il va pas. T'as cette histoire de conne, mais c'est pas. Comment dire, tu le limites, quoi, au final. Oui. Ok. Ça, c'est quelque chose que vous utilisez, tu utilisais ça depuis 2013, quoi, en fait, au final. Oui. Oui. Alors, je peux le faire le visualiser. Je vais essayer. Attention, on est sur de la modif de code à 1 h du matin. C'est Angle d'arrondi. la semaine de la coupe, donc il fallait qu'à un moment, on modifie du code à 1 h du matin. Ça manquait. Voilà. Donc je vais augmenter la taille du cône. La taille de ce fameux cône hein, dont je parlais. Ouh, drift. Et je vais lui dire de se déplacer. On va aller en 2000. Et voilà, ça c'est bien de le poser. 2000, j'ai mis. On marche avant. Et comment je... Alors, donc le robot tourne. Et voilà, il commence à avancer pendant une D'accord. espèce Ah ouais, là, on l'a bien vu, de... ouais. C'est pas mis assez pour que ça soit bien visible. On va... Brutosaur. C'est quoi, c'est en radian que tu le définis, ton code? Oui. Donc, try again. Try again. On met à côté... Je n'en sais rien. 500, 1200. On marche avant. Il tourne et il commence à avancer. Ouais, là on le voit bien, effectivement. Progressivement à s'aligner vers sa target. D'accord. Ok. Et ça, c'est très très Voilà. Est-ce chouette. que c'est clair? Ah oui, c'est très clair. C'est très clair. Je sais pas si dans le chat vous avez des questions pour Cabriolin, des choses que vous souhaiteriez, sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on revienne, peut-être. Non. Écoute, je crois que c'est Bah... ça a l'air très clair. Ou alors on a un peu de, il y a toujours un petit peu de lag, hein, sur le chat, entre ce qu'on dit, le temps qui tape, etc. Bon, Alex Ness a l'air d'être très content. Il y a un gros félicitations là. Bah oui, effectivement, Merci. félicitations. Et puis effectivement, on en parlait. C'est vrai que ça fait un gros boulot partagé. Et c'est vraiment très très chouette de ta part et super de pouvoir avoir ça. J'adore, juste super. Bon, bah super. Les gens ont l'air contents. Ben, c'est ce que je vois, c'est gentil, merci. Donc ben, tout ce que vous venez de voir, donc la présentation PowerPoint, alors je ne la mets pas en PowerPoint parce que c'est un peu lourd, je vais mettre le PDF, mais de la présentation de l'architecture est dispose sur le GitHub. Les codes robots, l'asservissement, la communication, tout est sur le GitHub. L'IHM en Unity est sur le GitHub. Les schémas des cartes en PDF, normalement, je les ai Je crois que je les ai mis. vus. Alors, je suis dessus, mais oui, c'est bon. Tu les as, oui. Elles sont bien en PDF dedans. Voilà, donc les PDF y sont. Donc il y a les schémas et il y a les PDF avec le routage. Voilà. Il faut que je remette la main sur les fichiers Gerber ou quitte à les régénérer pour les mettre de dispo aussi, s'il y a quelqu'un qui veut refabriquer les cartes. Voilà, en sachant que j'ai encore des PCB vierges.
Parce que si, bah, ils les font pas que pour 2 ou 3 mois. Donc j'en ai reçu un paquet, il y en avait trois cartes qui étaient montées. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on commande chez eux, c'est chez JLC ou chez. T'en Oui, commandes 10, t'as du RAM. bah, de toute façon, ça coûte moins cher de les commander par disque. C'est clair. Encore à l'époque, c'était un peu plus cher. Là, j'ai regardé les prix. Bah, en fait, Ah, JLC a tiré vraiment vers le bas et Seeds a suivi, en fait. Mais c'est vrai que du coup, ça s'est vachement. Ouais, parce que toi, t'as commencé à faire tes cartes chez Seeds depuis 2013 aussi, ou c'était peut-être un peu plus tard hein? Chez Sid, non, un peu après. Ouais, non, c'était venu un peu après. C'est 2001. En 2014, on les avait. Ouais. Pour la Coupe 2014, donc on les a fait ouais, en 2013. Alors, tu vois, moi j'ai commencé à les faire en 2015 chez eux et c'était encore les prix auxquels tu avais l'habitude et c'est tombé après là. Là c'est quasiment. Alors on digresse un petit peu, mais par exemple aujourd'hui tu voudrais refaire tes cartes et faire souder les composants dessus, et ben pareil, ce serait. Il y a des fois des choses qui passent où ils te les font, ils te font 5 cartes gratos avec un certain nombre de composants à souder dessus quoi. Donc au même prix que les cartes actuelles. Donc ça devient complètement fou, hein. Ça devient complètement fou. Oui, tu peux finir. À l'époque, je payais 50 ou 60 € juste pour les 5 PCB nus. Et là, j'ai regardé la même chose, les PCB nus, c'est 5 Ouais, dollars. bah tu payes 20 $ en fait avec les frais de port, et puis bah Oui, voilà. voilà, j'allais dire, les ports qui font mal, C'est mais tout, c'est tout. ça coûte rien. Et Tinsy 4.0 à 600 MHz. Oui, bah, c'est vrai que maintenant, du coup, en plus, on est passé sur des cartes qui n'ont plus aucun sens en termes de puissance. Tu le disais tout à l'heure, toi, la tienne, elle tournait à 128 de mémoire. Mais même à 128, c'est presque trop pour ce qu'on fait. Alors là, à 600, bon. Mais là, enfin, typiquement sur la carte IA, parce que j'ai recodé tout le pathfinding là, pendant le confinement pour essayer de l'optimiser. Donc en gros, la grille de jeu, là, donc 3 mètres sur 2, j'ai découpé en cases donc, de 50 mm. Ça, on fait 2400 sur la surface Ouais. pour le Astar, pour la recherche de chemin. Et en gros, donc, il me recherche un chemin, mettre à jour la carte avec les zones accessibles ou non accessibles, faire la génération du Astar, trouver le chemin, et ensuite l'optimiser pour le lisser. Plus encore, mais j'y viendrai plus tard, on a un petit truc en plus pour le lissage du Astar. OK. Encore une petite touche, une petite astuce en plus. Et il fait ça en 30 millisecondes. D'accord, ouais. Donc ça va. Donc à l'échelle du déplacement du robot, même à 1 mètre par seconde, le robot il s'est déplacé de 30 mm, il recalcule un chemin. Donc s'il a détecté un adversaire, de toute façon, les balises ne donnent pas de mise à jour toutes les 30 millisecondes. Alors les goffres, ouais, je sais pas, on pourrait essayer. Ça dépend quel type de goffre. Toi, t'es plutôt goffre liégeoise, je pense, Roger. Mais ouais, non, ouais, ça marche. Je crois que j'avais pas fait de prise de timing sur Perceptio pour le ouais, je l'avais fait avec l'analyseur logique. Bah, sur une pin, je lui mettais, bah, tu la mets en haut quand tu commences à start, tu la mets en bas quand tu as trouvé le chemin, et voilà. Ouais. Donner le temps, 30 millisecondes. Ouais, parce qu'en fait, après, en fait, dans tout ça, ce qui limite souvent la vitesse de nos robots, c'est aussi notre capacité à détecter l'adversaire. Au final, il y a beaucoup de robots qui, je pense, pourraient aller à 1,5 m seconde, voire beaucoup plus, mais qui, de toute façon, ne sont pas en capacité de détecter quelqu'un à cette vitesse-là, et du coup voilà, c'est bridé par cette fonctionnalité-là. Ah oui, et puis, enfin, vu les distances qu'on a à parcourir, qui sont pas non plus Ouais, c'est clair. énormes, grosse vitesse, je crois qu'il y en a qui avaient fait les calculs à l'époque. Alors, je sais pas si c'est chez RCVA ou je sais plus qui. Entre 1 mètre et 1 mètre 500 par seconde, sur le temps d'un match, tu gagnes 3 fois rien. C'est pas là où tu vas passer du temps. En fait, si tu regardes, les robots, la plupart du temps, presque, ils sont arrêtés en train d'essayer de manipuler des choses.
C'est quasiment sur des phases d'accélération qu'il faut jouer plus que sur ta vitesse max, quoi, au final. Mais quand le robot il va se déplacer d'un point A à un point B, il a attrapé des gobelets, il va les déposer plus loin, il y a un mètre. Ouais, et encore, Se ouais. déplacer à un mètre, ouais, mettons. Mais de rien, salut Salut Default. Default, bonne soirée à toi. Si tu as des questions, bah, sur le Discord, n'hésite pas. Hein. On va sur le Discord de la coupe, on a le. Il y a le salon de Robotic System, et ben voilà, n'hésitez pas. Alors, salon de la coupe, tout le monde n'y a pas forcément accès, mais au pire sur le salon de la chaîne, voilà, je transmets aussi, hein, je transmets aussi sans problème. Voilà. Voilà, pour se déplacer d'un mètre, d'y aller en 1 seconde ou en 9 dixièmes de seconde, c'est pas là où on va gagner. Je pense que la priorité qu'on s'était faite, c'était de pouvoir se déplacer. Oui. De façon fiable. Avec ça, on considérait, et on en a déjà discuté avec Barba, hein, d'avoir une équipe qui dit moi j'aimerais bien participer, mais c'est un peu compliqué, simplement déplacez-vous. Mettre un robot qui se déplace d'un point A à un point B, passez-y du temps. Si j'avais un conseil à donner, ça serait celui-là, c'est de vous déplacer. Une fois que vous pouvez vous déplacer d'un point A à un point B, le robot est potentiellement homologable, parce qu'il peut sortir et mettre des points. En général, tous les ans, il y a des points simples où il suffit de pousser quelque chose ou d'amener quelque chose à un endroit, mais sans avoir le pincer à le tenir. Il suffit de le pousser. Là, avec les gobelets, c'est le cas. Il faut manipuler les gobelets, mais en gros, s'il faut les ramener dans la zone de départ, il suffit de sortir et de pousser dans sa zone et de faire demi-tour et de le ramener. Voilà, c'est des trucs. Enfin, pour nous, c'était la base. Si j'avais un conseil à donner, c'est ça, c'est faites un truc simple, et vous pouvez vous déplacer d'un point A à un point B assez précisément, de façon fiable, et après vous rajouterez des choses par-dessus. Bah, clairement, c'est vrai qu'on en avait discuté, tu voulais savoir si c'était encore une volonté de la part de la commission règlement de laisser ces actions-là. Et effectivement, on cherche toujours à avoir des actions simples qui peuvent être faites que par pousser, ou juste avec un servomoteur, actionner quelque chose sur le côté du terrain, ou ce genre de choses-là. Voilà, et tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipes qui le disent, l'important c'est de se déplacer, rajouter un peu au dernier moment, j'ai envie de dire, un actionneur avec un servomoteur qui sort un bras ou une pince, ça se fait quasiment dans la demi-journée, quoi, pour faire un truc non optimisé. Donc, et ça peut se faire effectivement à la dernière minute, mais c'est pas ça qui est important, effectivement. L'important, c'est de pouvoir savoir se déplacer d'un point A à un point B, et en ça, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est une chose qu'on garantit dans chaque semaine règlement. Oula! Oula! Je crois qu'il y en a un qui est fatigué. Mais oui, Alex, donc, qui est avec moi dans la commission règlement depuis l'année dernière, voilà, on confirme qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de garder, quoi. Semaine correcte. Ouais, je sais pas ce que tu as voulu écrire là. Le correcteur auto mais oui, l'important c'est de déplacer vous. Mais c'est vrai qu'on se disait, c'est le truc, à la fois le truc le moins fun pour une nouvelle équipe, mais c'est le truc tellement le plus important. Que bah, tu es obligé d'y passer. Et c'est vrai que quand les nouvelles équipes voient un règlement, c'est humain, tu vois tous les. Tu te dis comment est-ce que je vais manipuler les objets, tout ça, il y a des trucs fun à faire, etc. Sauf que si t'as rien, et si tu te déplaces pas, bah, tu manipuleras jamais un objet, quoi. Donc, voilà. C'est extrêmement frustrant de repartir de la coupe, pour l'avoir vécu dans les premières années, de repartir de la coupe et de même pas avoir joué un match parce qu'on n'a même pas su déplacer le robot sur la table. Enfin, même pas se déplacer, quoi, rien du tout. Ou alors avec un système de tempo, mais c'est ingérable. C'est une frustration énorme où, enfin, en tête, tu t'es dit, on va faire des choses, on va attraper des trucs, et tu repars de 3 ou 4 jours de la coupe, le robot, il ne vaut même pas, quoi. Ouais. Non, non, mais clairement, ben, je pense que je suis Et d'accord. Et il y a beaucoup d'équipes qui vont, qui ont le même, qui donnent le même son de cloche. Mais c'est important de le redire régulièrement, même des fois pour les anciennes équipes, en fait. Parce que pour avoir parlé des fois avec des équipes qui avaient quelques années, voire une dizaine d'années de fonctionnement, qui repartent dans un développement sur leur robot, qui oublient un peu cette base-là.
et qui se retrouve au bout de 6 mois d'heure dev à dire ben, au final on a des bras de ouf, des actionnaires de dingue, mais en fait le robot il se déplace pas correctement. Et c'est une erreur un peu de débutant entre guillemets, et ils le refont parce que ben, tu l'as plus en tête et t'es passé presque à autre chose, et du coup t'as envie d'aller encore plus loin, mais en fait ton robot se déplace pas. Donc voilà, c'est un peu un fail quoi. C'est là où je reviens donc sur les fameuses cartes là, sur les petites cartes. Il n'y a pas tout dessus. Il y a déjà pas mal de Pas mal de choses. choses. Voilà, une équipe qui voudrait commencer, bah, partirait sur quelque chose comme ça, alors pas forcément la même, hein, mais sur le même esprit que ce qu'on a eu. Bah, juste quelques actionneurs et puis voilà. Et juste ça dans un robot, pas s'embêter avec 36 cartes compliquées qu'il faut communiquer entre elles. Non, on l'a présenté avec des cartes qui communiquent, mais c'est pas une obligation. C'est vrai. Voilà, le robot, il se déplace d'un point A à un point B, il sait où il est, mais il peut enchaîner comme ça plusieurs déplacements, plusieurs actions de base, et se retrouver bah, homologable et potentiellement gagner un match. Et puis, il y a cette idée aussi, et ce que j'aime bien aussi sur ton robot, c'est la simplicité de l'interface homme-machine, c'est-à-dire que tu as des boutons, des LED, un potentiomètre, donc des choses vraiment simples et fiables, en fait. Et c'est marrant parce qu'on en parlait, alors je sais plus si c'était hier ou avant-hier sur le Discord de la coupe. Et pour moi, il y a aussi cette notion de fiabilité. Quand tu poses ton robot, tu dois pas te poser 36 000 questions de est-ce qu'il faut que je recharge un code pour changer la couleur? Est-ce qu'il faut que je change un truc pour reflash quelque chose dessus? Non, tu le poses, tu appuies sur un bouton, tu mets ta tirette, il est prêt à partir, quoi. Quasiment. Enfin, j'exagère peut-être, mais l'idée pour moi, Non. elle doit être là, quoi. C'est, il faut pas s'embêter à faire des choses complexes qui au final ne rajoutent pas de fonctionnalité et qui potentiellement peuvent même induire en erreur et générer en fait des erreurs au lancement du match. Je pense que tu es assez d'accord avec moi. On parlait de photos où on te voyait avec ton père en phase finale et où tu disais j'ai pas eu l'impression qu'on me prenait en photo. Je dis oui, t'avais quelque chose d'autre à penser. Et c'est vrai, quand tu es sur le terrain, tu as 3 minutes pour tout installer. Aujourd'hui, on a deux robots, on a des balises qu'on doit installer, on a peut-être une balise aussi au centre à mettre. On a d'autres choses à penser qu'à reflasher un code dans un robot, quoi. Et donc, du coup, il faut des solutions simples et même sans écran. Bah voilà, des LED témoins pour dire bah c'est cette couleur-là, c'est ce machin-là qui c'est simple, c'est fiable, ça va pas tomber en panne et ça marchera tout le temps quoi. Le truc le plus simple, c'était dès qu'on connaissait la couleur, donc en général, c'est dans les coulisses, les dernières secondes avant de partir, on dit, bah, telle équipe, vous êtes jaune, vous Ouais. êtes bleu. On mettait l'interrupteur de couleur déjà. On n'était même pas encore derrière la scène, on avait déjà mis l'interrupteur de couleur sur les robots. On partait, on positionnait les robots là où ils devaient être en fonction de l'année sur la table, dans position de départ. On les mettait sous tension. Enfin, voilà. Le général a choisi la stratégie, donc le potentiomètre avait été décidé avant, bien avant le match, savoir en fonction du classement, de qui on va rencontrer, est-ce qu'on prend tel ou tel risque. Il y a un peu des vidéos, ah bah eux ils vont plutôt dans telle zone, donc ok, donc bon c'est pas la peine qu'on y aille, ou alors bon ok, on a marqué des points, on a de l'avance, on peut faire un peu de fun, mais une stratégie un peu plus poussée, peut-être à risque que ça fonctionne pas, mais si ça marche, ça peut être fun. C'est une question de prise de risque aussi. Voilà, le robot était dessus, la couleur était déjà choisie, l'arrêt d'urgence désactivé, le switch de mise sous tension, ça clignotait, on vérifie que ça clignote, la LED verte, elle s'allume, on appuie sur le bouton le robot fait son initialisation, donc ensuite tout était dedans, s'il y avait des bras activés, ben, le robot le faisait tout seul, il se déplaçait, il bougeait ses bras, il venait se caler contre la bordure. Donner sa position. La deuxième LED, alors soit elle s'allume ou deuxième LED qui s'allume, on met la tirette, tout s'allume ou tout s'éteint, enfin peu importe le choix qu'on fait, le robot est prêt. Ouais. Il n'y a pas de menu, de bouton à rentrer, de machin, de on est quelle couleur, de j'ai fait une erreur. Il y a un bouton, le robot est prêt, on tire la tirette, ça part. Ou ça part pas. Tirette se casse. Ça part pas. Mais voilà, après bah, ça fait partie du jeu, mais Ouais. voilà, on voulait que ce soit le plus simple possible. On aurait pu donner le robot
les gamins de 10 ans qui font les trophées et juste leur expliquer y a un bouton là, vous posez le robot à tel endroit sur la table. Voilà, il n'y avait pas de prise de tête à réfléchir. On sait tous qu'on est super stressé dans les quiz, on est encore plus stressé avant le match. Surtout quand Et c'est la première coupe, je veux dire d'autant plus là-dessus, quoi. Même quand c'est pas la première coupe, mais qu'on arrive dans les phases finales, on sait qu'il y a, enfin, on n'y peut rien. C'est pas nous qui pilotons le robot. On prend pas de décision, mais il y en a quand même à prendre avant et il y a déjà bah, quantité de paramètres possibles, d'erreurs possibles que bah, autant les limiter le maximum. Après, moi, enfin, voilà, même après 10 ans de coupe, le stress, il vient à un moment, et c'est au moment de tirer la tirette. Tout avant, ça va. Mais maintenant, il y a encore ce petit moment où tu tires et tu te dis, putain, est-ce que ça va marcher? Alors que potentiellement, tu as fait des milliers de tests avant. Mais c'est vrai que du coup, tu as quand même ce stress de te dire, il peut arriver un truc. Enfin, toi, c'était ta tirette qui casse. Ou les roues qui n'atteignent pas leur, enfin le robot qui n'atteint pas sa position à cause de la peinture. Moi, une année, c'est une détection un peu trop fiable et du coup on détecte à 2 mètres le robot adverse et du coup le robot s'arrête. Du coup, tu sais pas ce qui se passe. Enfin bref, voilà. Je veux dire tout ça, il y a toujours ce risque-là. Et c'est vrai que d'avoir des choses fiables où tu poses et en 3 secondes, c'est allumé. Et c'est vrai que le coup de tu connais la couleur et tu connais la stratégie de l'adversaire avant et tu la mets avant d'arriver sur scène. Bah nous, on fait pareil aussi quoi. On a un bouton pour mettre la couleur et c'est vrai que ça t'enlève un poids quoi. Je trouve. T'arrives, t'as juste à positionner tes éléments et t'attends et ça te laisse le temps de réfléchir à te dire bon est-ce qu'il y a pas une connerie sur la table, un élément de jeu qui est mal placé ou de gérer ton stress juste tu vois. Et ouais c'est important quoi. Salut Alex, du coup, bonne soirée. À bientôt. Mais ouais. Après, comme tu disais, si toi, tu as le stress qui monte au moment de tirer la tirette, c'est pas le pire parce que dans tous les cas, tu n'as plus rien à faire. Il veut pas se passer grand-chose. C'est juste, bah, aller à Jacques Taès, je tire et puis bah, de toute façon, je ne peux rien faire. J'ai plus le droit de toucher au robot. Même si je me rends compte que j'ai fait une boulette, bah, Ouais. Ah bah super. Bah écoute, je sais pas s'il y a d'autres questions encore sur le chat, des choses que les gens voudraient rajouter. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à passer sur le Discord, alors le Discord de la chaîne, et puis moi je vous redirigerai les questions si jamais il y a besoin. Je remets, mais ça sera mis dans la rediffusion YouTube, le GitHub de Cabriolin avec l'ensemble du contenu. Ah, il y a une question. Alors sur les deep learning, alors vas-y, je te laisse peut-être QBI chez ST, intéressant pour vous. Alors moi, je vais être très peu acteur là-dessus parce que c'est vraiment pas mon quelque chose que je maîtrise. Je sais pas si Cabriolin, toi, t'as un avis là-dessus du coup. QBI, je connais pas. Je demande qu'à connaître. Deep learning, réseau de neurones, j'ai un peu l'occasion de toucher par l'époque on cherche un peu si ça valait le coup. Un peu maintenant avec le boulot, pas directement. Est-ce que ça aura un avantage? Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, le robot, il va falloir que tu lui dis, il va pas apprendre de tout ça, il va pas deviner ce qu'il doit faire. D'accord, il va pas les deviner. Même si tu lui fais avaler le PDF du règlement, je suis pas sûr que ça suffise. Voilà, et au mieux, tu vas pouvoir lui mettre un truc qui ressemble à une CAO, peut-être, il va avoir des gobelets, mais il ne saura pas quoi en faire. Enfin, il va avoir des gobelets, non, il va avoir des objets, des formes 3D, mais il ne saura pas quoi en faire. La position des actionnaires, il ne va pas la deviner non plus lui-même. La stratégie, il y a aussi un côté un peu feeling. Alors oui, le côté équilibre des actions, la pondération des actions, c'est ça, le poids des différentes variables de choix d'action. Ça pourrait être faisable de lui faire faire, mais il faudrait faire faire une quantité de matchs assez phénoménale où il va utiliser des pondérations différentes, donc il va faire des actions dans des ordres différents. À la fin, lui dire bah, ça c'était plutôt bien avec par exemple le nombre de points qu'il aurait marqué. Et voilà, là, il a choisi
tel set de pondération, il a marqué un certain nombre de points, avec tel autre set de pondération, un autre nombre de points, pour équilibrer et puis voir quel est l'ordre optimal dans lequel exécuter les actions pour marquer le plus de points. Mais après, il y a tellement d'autres variables extérieures qui vont se passer liées à l'adversaire, simplement. Toi, tu vas lui faire apprendre une configuration optimale pour marquer des points sans adversaire, par exemple sur la table de test. Dès que tu as un adversaire, il va se retrouver, il va te bloquer une action, et tout ton truc, il est fichu parce que tu ne peux plus faire les actions de façon optimisée. Moi, j'ai l'impression que sur ce genre de sujet-là, et au niveau stratégie, au niveau action, toi, tu disais qu'à partir de Noël, votre objectif, c'était que votre robot, il bouge et qu'il soit opérationnel et qu'il fasse des points à partir de Noël, si je me souviens bien, c'est ça. Moi, je trouve que c'est aussi ça, ce qui est le plus intéressant, c'est de se défoncer pour que sur la première phase d'année, le robot, il soit fonctionnel, pour se laisser énormément de phases de test. Les années où on a beaucoup réussi, c'était où on a fait le plus de tests, et en fait, où on s'est le plus nous-mêmes entraîné, en fait, sur le robot, à nous-mêmes développer une stratégie. Je suis pas sûr non plus qu'un réseau de neurones embarqué, alors j'ai regardé juste vite fait, donc cuBAI, c'est quelque chose qui est, donc ça se tourne sur STM32, donc c'est du réseau de neurones embarqué, particulièrement pour les STM32. Je suis vraiment pas sûr que sur une durée aussi faible que 100 secondes avec des actions qui sont de toute façon réfléchies par des êtres humains. Le règlement, il est écrit par des êtres humains, donc avec une logique d'action qu'on peut réaliser qui est facile à prévoir, on soit vachement gagnant en fait. Ce qui va, à mon avis, qui a plus penché dans la balance, c'est la rapidité ou la prise de risque sur telle ou telle action et le réglage fin d'actionneurs ou de choses un petit peu complexes. Mais l'AI va jamais réussir à te donner cette chose-là encore. Voilà, pareil, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment nécessaire dans notre cas, quoi. Après, je demande à voir, hein. Peut-être qu'effectivement, il y en a qui d'autres équipes qui sont un peu essayées pour de la machine à état ou de la prise de décision. Pourquoi pas? Mon sentiment de ce que peu que j'ai pu y essayer, je pense que ça va être un temps de développement énorme que pour peut-être pas gagner grand-chose, où tu n'auras pas forcément la main dessus, tu n'auras pas ce qui va se passer, si ça plante, tu ne sauras pas pourquoi. Alors après, c'est dans quel... Voilà. Ouais, voilà, notre réponse, elle est par rapport à notre usage de la coupe. Et pareil, j'en discutais avec d'autres personnes, ça dépend ce que tu cherches à la coupe. Il y a des gens qui cherchent à être premier, il y en a d'autres qui cherchent à s'amuser, faire quelque chose de très fun, et il y en a d'autres qui cherchent la prouesse technologique. Et si ton but c'est la prouesse technologique et de te dire, bah moi je sais que ça sert à rien, mais je vais embarquer ça parce que ça me fait kiffer. La coupe te permet de le faire, et on sera, enfin nous, moi je ne jugerai jamais, parce que je trouve ça intéressant. Des fois, enfin, je sais que j'ai déjà interviewé des équipes ou été voir des équipes qui me disaient, bah écoutez, on a fait ça et tout ça avec une solution très compliquée. Tu leur dis, mais pourquoi? Bah juste parce que on avait envie d'essayer, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est un genre de bac à sable, la coupe, dans lequel tu peux essayer des choses. Ben, qui serait difficile à essayer si tu étais dans le domaine professionnel parce que tu n'aurais peut-être pas le temps de développement, l'argent ou juste la possibilité de faire des choses qui seraient un peu en dehors de ton scope. Là, tu peux te faire plaisir, en fait. Juste essayer, il n'y a pas d'enjeu, en fait. À part de gagner un beau trophée. Et du coup, c'est ça peut être intéressant, quoi. Ouais, alors gagner un beau trophée, ça veut dire être dans les mois de t'entendre. Donc, Ouais, en plus. les équipes, ouais. Mais je demanderai qu'à voir, hein, franchement, s'il y en a une équipe qui y va et peu importe le résultat, mais qui dit derrière, c'est vraiment une IA qui a appris deep learning. On lui a passé quelques détails, je sais pas comment, issu du PDF le plus haut niveau possible. Il y a des trucs qui se trouvent, allez, admettons les coordonnées, il faut les ramener là, avec les valeurs des positions des actionneurs physiques, parce que ça, il va pas le deviner.
et que le truc il mouline pendant X temps et à la fin il marque des points optimisés, bah ouais, chapeau. Après, voilà, nous on n'y allait pas forcément pour ça. Mais s'il y en a qui veulent vraiment s'éclater là-dessus, bah, allez-y, Mais hein. en plus, il y a effectivement plein de choses sur lesquelles tu peux t'éclater. Pour une équipe qui voudrait s'y essayer à la coupe, non, le deep learning, commençait pas par là. Oui, alors oui, d'accord. Même commencez pas par Friertos, commencez par des choses beaucoup plus simples que ça. Bon, voilà, basez-vous sur un GitHub où il y a déjà tout qui fonctionne, mais, par exemple, mais. Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est voilà, c'est des réflexions qui sont intéressantes et c'est tout. Bah, par exemple, hein, très clairement, le fait que nous on soit en moteur pas à pas, c'était aussi ça chez nous, par exemple. C'était de se dire, bah, j'avais été voir des gens, les gens m'avaient dit, non, mais le moteur pas à pas, jamais tu mets ça dans un robot, c'est la merde, etc. Il y en a d'autres qui m'avaient dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est gros, c'est lourd, ça embarque faut avoir des bonnes batteries, c'est un peu chiant, il te reste pas beaucoup de place. Je suis bon, bah, très bien, bah, je vais quand même le tester et le pousser. Et au final, voilà, je sais que c'est pas la méthode la plus optimisée pour me déplacer, mais ça me fait marrer de me dire que je le fais avec ça. Et en plus, ça permet voilà, de tester des trucs que t'essaierais pas autrement, quoi. Pareil sur les types de capteurs qu'on utilise et que d'autres utilisent. Enfin voilà, je pense que, enfin, à moins de chercher véritablement la compétition, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un bac à sable, pour le coup. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Nous, clairement, en 2014-2015, et si on avait fait 2016, voilà, je peux te cacher, clairement, on jouait la compète. C'était notre but, on est allé en Suisse, on a perdu bah, à cause du potard de choix de stratégie, où pour le coup, on avait déjà joué 3 matchs contre nos adversaires, on savait ce qu'ils faisaient, on a voulu prendre un risque, on n'a pas pris le bon risque de stratégie. Ça s'est joué à une bricole près et qu'on sait qu'on aurait mis la stratégie d'un niveau juste en dessous, C'est on pas n'aurait pas ça. pris ce risque qui s'est pas passé, on aurait fait autre chose à la place et ça passait. Voilà. Bon, bah voilà, c'est pas grave, mais on y était vraiment allé, même la Coupe de France, on l'a joué pour la compète. Voilà. Non, C'était un. Ah, mais. mais On a caché à l'époque, on cachait pas spécialement les robots, on cachait pas leur contenu. Si on nous posait des questions, on répondait. L'architecture était pas aussi détaillée, mais était déjà affichée sur les posters tous les ans. On n'était pas dans l'anti-jeu, pas aller jusque-là, mais Ah non, non, mais après, quand tu dis compétition, c'est juste que tu designes ton robot pour te dire, bah, j'essaie de choisir la meilleure solution, ou la solution la plus éprouvée pour atteindre le haut de la compète. Mais sans anti-jeu, bien. Notre but était de mettre des points, Ouais. sans forcément avoir un truc qui soit plus beau ou artistique. Ou voilà, il y en a qui faisaient des robots, des hexapodes et des octapodes, je sais pas quoi. C'était magnifique à voir. Au niveau de la compète, pour marquer des points, gagner des matchs, c'est compliqué. Mais voilà, c'était magnifique à voir. Et en coup-off, voilà, c'était. Ou pendant les matchs à qui essayaient, c'était super bavard. Après, voilà, chacun y va avec son objectif. Le but, c'est ça, c'est d'être, enfin, la façon dont on était, c'est d'être cohérent avec soi-même. On veut y aller pour s'amuser et faire un robot fun, qui a des lumières partout, qui fait de la musique et qui fait des gaufres. Ben, on peut. Voilà, ou à côté, ou faire un robot, bah, ouais, qui est en bois, en carton, ou en Lego. Mais on essaye de le faire qui marche, qui mette des points. Il Exactement. n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Le but, c'est de se faire plaisir. Exactement. Après, c'est toujours le problème. On parle de coupe de robotique. Et je pense que c'était un des sujets dans un premier live où cette notion de coupe de compétition, forcément, elle n'est pas ressentie par tout le monde. Quand j'explique ce que c'est que la coupe
et que je dis aux gens, bah, on fait la coupe, mais bon, alors à l'époque, il y avait un forum qui était plus actif, mais on se parle tous entre équipes, on s'échange les cartes, on s'échange les contenus, les machins, et c'est les gars, ils regardent, enfin, bah, c'est une compétition ou. Et bah, c'est là où, du coup, c'est aussi ça qui fait la beauté de cet événement. Du coup, j'aime pas parler de coupe, mais d'événement, c'est qu'effectivement, tu peux y aller, même en y allant avec une notion forte de je veux faire des points et je veux être très haut dans le classement, ben ça t'empêche pas d'avoir énormément de partage et pourtant à la fin d'avoir des robots qui ont des architectures et des solutions qui sont très différentes, même dans les strates relativement hautes de la compétition. Donc ça c'est vraiment c'est ce qui fait un peu la beauté de cet événement quoi, au final, d'un point de vue technologique. La compétition, elle a lieu sur la table de match pendant 90 ou maintenant 100 secondes. Et le reste du temps, bah, c'est du partage. C'est pas là qu'elle a lieu la compétition. C'est pendant ouais, quand tu es sur la table de match, bah, on reste fair play, mais ouais, effectivement, on va éviter d'aller mettre des points à l'adversaire quand même. Mais voilà, une fois que les deux robots sont récupérés et sortis de la table, on discute avec l'équipe d'à côté et puis ben pourquoi et qu'est-ce que voilà. Eh bien c'était bien ce que vous avez fait. On peut passer voir à votre stand comment ça marche, comment il fait votre robot, ça nous intéresse. Passez au stand et puis on vous explique. Ouais. Ah, mais même le fait de connaître son adversaire avant. Enfin, moi je sais qu'on va toujours voir notre adversaire avant le match. On parle un peu, t'utilises quoi, machin, ça va pas. Des fois aussi, c'est vrai, des fois tu vas voir quelqu'un, ou même les gens viennent te voir, et ça va pas parce que t'as eu une merde, tu dis bon bah écoute, nous ça va, donc on peut décaler le match, on peut vous aider. Enfin, c'est fou, j'allais dire, d'avoir des compétitions comme ça, c'est on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et même, enfin, plein de fois, moi je me suis retrouvé en arrière-scène, où les gars me disent, bon, en fait, on va quelque part, d'où le bouton changement de stratégie, parce que on va quelque part, mais on fait que ces points-là, vous y allez, et du coup tu fais, bah ouais, mais j'ai une deuxième stratégie de secours, est-ce que ça vous arrange que vous y alliez là-bas et que vous fassiez des points, et que nous on fasse nos points aussi de notre côté, et que du coup, bah, y ait pas de soucis sur la table, et que voilà, sur des équipes de plus ou moins hautes dans le challenge, voilà, ça c'est des choses que tu vois nulle part, et c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. Et effectivement, tu sors de table, ça a été, ça a pas été, comment on discute, enfin voilà, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et c'est aussi ça qui. Avec le potard juste avant le match, ah mais nous on sort, on veut juste pousser ce truc-là et on bouge plus. Ouais. Ah bon, on va pas vous embêter, on va pas vous empêcher de le faire parce qu'en plus, non plus il va tout doucement donc il met du temps à aller là-bas. On n'est pas sûr de la détection. C'est bon, d'accord. Alors on tourne les potards, on reste de notre côté du terrain. Comme ça on vous embête pas, on vous laisse faire votre truc et tout le monde En fait, vient. c'est autant Alors oui. pour nous que pour vous, en fait, c'est en plus. Ouais. Mais ça sert à rien, c'est une équipe qui faillit. Ils sont contents, ils ont pas un robot super sophistiqué, mais il fait ce qu'il fait. Bah, ça sert à rien en plus d'aller leur mettre des bâtons dans les roues pour aller te mettre devant et puis plus bouger. Voilà. En plus, il y a une notion qui a été complètement abandonnée depuis quelques années, qui est la notion de victoire sur un match. Enfin, t'as toujours la notion de victoire, mais t'as plus de points associés à cette notion de victoire. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que il y avait des mauvaises manières qui étaient prises, parce que bah, du coup, comme il y avait une notion de points de victoire, et bah, des fois, il y avait des roublardises, on va dire. Et je trouve que ça, depuis que ça a été abandonné, bah, t'as plus cette notion-là, parce que de toute façon, t'es sur le terrain pour faire des points, en fait. Donc que ton adversaire, il te mette 400 points en plus, bah, en fait, tu t'en fous. Peut-être pas, ça dépend quel niveau de compétition tu es, mais la plupart du temps, tu t'en fous qu'il te mette 10 points de plus ou que toi, tu lui mettes 10 points. En fait, l'intérêt, c'est de faire des points et de le faire dans l'esprit de la compétition et de l'événement, quoi. Donc, du coup, c'est. Et puis, comme tu le dis, le robot qui avance, ouais, tout doucement, et en plus, l'évitement, on sait pas trop, et on s'est fait homologuer cette nuit, on n'a pas dormi, et là, tu te dis, bah ouais, et en fait, moi, j'ai été aussi à cette place-là à un moment. Et c'est voilà, c'est l'idée, c'est d'aller tous plus loin, quoi. Exactement.
Écoute, Tout à fait sur d'accord. ces bonnes paroles, le chat a l'air un peu calme, mais je pense qu'à 1 heure et demie, il y en a pas mal qui sont partis. Il y a encore un peu de monde, hein, quand même dessus. Il y a une dizaine de personnes encore qui sont là. Mais ce qu'on va faire, c'est que bah, je pense qu'on va vous. Tant qu'il y a des bières. Ah ouais, mais alors, moi, pas de bière personnellement. Là, je suis au café pour l'instant. Bah écoute, déjà, bah, merci beaucoup, Cabriolin, déjà du tout le travail que tu as fourni là ces dernières semaines pour remettre d'état toutes tes sources, le partage que tu as effectué, la présentation que tu as fait ce soir, et puis bah, voilà, le temps passé, ça, voilà, je voulais le redire parce qu'il y a des gens qui l'ont dit déjà dans le chat, mais je te le redis, merci énormément. Tu as parlé de potentiellement présenter d'autres choses, plus d'un point de vue plus code. Ou autre chose. Donc ça, on s'était dit effectivement qu'on scindrait, qu'on présenterait peut-être d'autres trucs par la suite. Il y a la partie du code qui a été illustrée dans la vidéo, donc dont tu avais déjà parlé. On n'est pas rentré dessus, on pourra aller voir un peu dans le concret comment ça se passe. Je pense qu'on peut rentrer aussi un peu dans l'asservissement. Ouais. On est un peu voir. Là, j'ai fait un petit dessin, expliqué vite fait, mais côté code, à quoi ça ressemble dans le code. Et puis sur peut-être sur le pathfinding aussi. Ah oui, carrément, ouais. Voilà, tout à l'heure, j'ai un peu teasé, on a un petit truc en plus sur le pathfinding et on y viendra peut-être. Et puis, si jamais vous avez des envies particulières, des choses que vous souhaitez qu'on représente, ou ben voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le Discord ou en commentaire de la vidéo. Je sais pas s'il y a des gens qui vont avoir la qui vont aller regarder la vidéo de 4 heures jusqu'au bout. Mais si vous êtes encore là sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous et nous dire ce que vous en avez pensé et ben voilà, à partager ça sur la vidéo. Ben merci encore, Gabriel. Merci d'avoir tout monté, tout préparé. Ouais, tu sais, moi je fais ça tous les dimanches, donc ça va. À part les problèmes techniques qu'on a eu là, ça allait. Ouais, il y en a un qui rentre déjà dans le code là. Oh là là. Ah, c'est plus un pour le spa. Il commence à creuser GitHub. Aïe 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 aïe. Ah oui, bah là, alors c'est pour ça qu'on s'est posé la question hein, avant de démarrer. J'ai dit, est-ce qu'on met le GitHub tout de suite ou est-ce qu'on attend un petit peu? Et du coup, comme ça va vous permettre de rentrer maintenant que vous l'avez dedans et puis de lui poser les questions, de lui faire des retours. Donc voilà, faut pas hésiter. Bah merci beaucoup. Et puis bah merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce live. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine fois, bah, je ne sais pas si ce que je ferai en live, ce sera un live à mon avis très classique. Je vous souhaite bah, une excellente soirée, une excellente nuit maintenant même. Et puis on se retrouve en after sur Discord si vous voulez encore discuter. Encore une fois merci Cabriola et puis à bientôt pour tout le monde à la semaine prochaine. Salut Barbara, salut tout le monde. Salut. Ciao.